Okay, bonsoir, bienvenue à tous pour cette conférence sur la situation du Mexique, un an ou presque un an après la disparition des 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa. Et donc, entre-temps, depuis un an, on a trouvé, donc, comme l'indiquait un rapport d'Amnesty, 104 cadavres dans les fosses autour d'Iguala, 70 fermiers qui ont été découverts au cours d'Amnesty, mais toujours pas les 43 étudiants. Et donc, je pense que c'est l'occasion pour nous de nous réunir ici à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine dans le cadre de toute une. Il y aura plusieurs activités, mais ici aussi pour réfléchir un peu, prendre un peu de recul sur la situation et donc aussi d'avoir des analyses de sociologues pour comprendre la situation, la resituer dans le cadre du Mexique. Avant de leur céder la parole, j'aimerais remercier Olivier Compagnon qui nous accueille ici à l'IHEL. Malheureusement, il ne peut pas être parmi nous, il est occupé par une autre réunion. Mais c'est la troisième fois en fait, qu'on se réunit ici, notamment grâce au soutien et à l'appui du collectif Paris Ayotzinapa. La première fois, c'était le 20 novembre 2014 à l'HESS avec John Ackerman et Irma Sandoval, qui étaient déjà le professeur invité de l'IHEL. Ensuite aussi le 26 juin dans l'amphithéâtre, qui est encore en rénovation. Ici à l'IHEL, et maintenant on est de nouveau donc à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, qui est manifestement un lieu important du débat de rencontre sur l'Amérique latine. Pour cette fois-ci, on a aussi un partenariat avec l'Observatorio Universitario de l'Universidad Autónoma de Nayarit, qui nous regarde en direct depuis Tepic, et notamment avec le professeur Carlos Reyes, qui a fait sa thèse à l'HESS et qui est souvent intervenu ici à l'Institut il y a une dizaine d'années dans plusieurs séminaires. Donc cette conférence se déroulera en deux temps. En fait, hein, d'abord, on va en discuter un peu plus au niveau de chercheurs, au niveau de mise en perspective. Donc, je donnerai d'abord la parole à Jean-Yves Loin, qui est à la fois chercheur à l'IRD, et puis un peu le local de l'épreuve, puisqu'il est aussi chargé de cours à l'Institut des Hautes Études d'Amérique latine. Ensuite, ce sera autour de Gilles Bataillon, qui est donc sociologue et directeur d'études à l'HESS. Et puis, je prendrai moi-même la parole. Ensuite, on aura l'occasion de discuter autour de ces analyses vers 7h, nous serons en direct avec Omar Garcia, qui est sur le Zócalo à Mexico, et donc il en parlera de l'autre côté. Et puis, on aura donc l'occasion aussi, après son intervention, on aura l'occasion d'autres échanges avec la salle et en particulier aussi avec le collectif Paris Ayotzinapa. Donc voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Yves Loin, en le remerciant d'avoir accepté de venir nous parler ici du narcotrafic au Mexique. Un thème important et qui est aussi, je crois que c'est vrai tant pour Jean-Yves Loin que pour Gilles Bataillon aussi, tout l'intérêt de resituer cette perspective dans un plus long terme. Si vous lisez quelques textes qu'on trouve assez facilement en ligne de Jean-Yves Loin, il y a à la fois le titre qui est tout à fait actuel et le propos aussi. Simplement, ça date de, par exemple, je le disais ce matin, quelques textes de 2003-2004, où en fait, les choses ne sont pas améliorées, mais la structure du problème était déjà bien présente. Donc, merci beaucoup d'être présent ici et de nous expliquer tout ça. Bien, merci de m'avoir invité et merci à vous d'être là. Je voudrais porter sur cette affaire d'Iguala, un regard de sociologie politique, c'est-à-dire essayer de comprendre s'il s'agit d'un cas particulier, ce qui s'est passé à Iguala, donc la disparition de 43 étudiants et leur probable assassinat. Je dis probable parce qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, donc on n'a pas de corps, on n'a pas de certitude. Et c'est donc de savoir si c'est un cas particulier, localisé, ou si c'est un produit, un effet d'un système politique qui permet justement que des assassinats s'opèrent en toute impunité et qui s'opère quotidiennement, je dirais. Alors, effectivement,
des assassinats au Mexique, il y en a tous les jours. On n'en parle pas, c'est devenu banal. Il y a une banalisation de la violence, de toute manière. Et là, pourquoi en a-t-on parlé? On en a parlé parce qu'en fait, il s'agit d'un crime de masse. 43 d'un coup, c'est beaucoup, c'est trop, et c'est mal habile. Généralement, on n'assassine pas 44 personnes d'un coup. Enfin, on attend 43 jours. Là, ça n'a pas été le cas. C'est devenu une affaire d'État, et c'est devenu une affaire d'État qui a eu des répercussions internationale. La preuve, c'est que nous sommes ici réunis un an plus tard pour parler encore de cet événement. Et donc, ça a remis en question, quelque part, la légitimité du gouvernement mexicain et de ses relais locaux. Relais locaux à la fois politiques et institutionnels. Alors, la question qu'il faudra se poser, c'est quel impact ce crime de masse a-t-il eu sur la société mexicaine et sur le fonctionnement des institutions au Mexique. Alors, là, ça tombe bien, on a un révélateur. Au mois de juin dernier, il y a eu des élections au Mexique. La zone concernée, qui est l'État du Guerrero, et particulièrement la ville d'Iguala, où ont été assassinés les étudiants, ont donc voté. Autant les autorités estatales que municipales étaient auparavant entre les mains d'un parti de gauche, bon, on met gauche entre guillemets, n'est-ce pas, qui s'appelle le PRD. Et à l'issue des élections, ce parti a été évincé au profit du parti qui tient le pouvoir au niveau fédéral, c'est-à-dire le PRI. Dans les deux cas, le PRD a été évincé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sanction des politiques pour ne pas avoir pu éviter un tel massacre, ou est-ce que ça veut dire qu'on va aller voter quand même parce que c'est un devoir de citoyen, parce qu'on a besoin de représentants, et on va choisir les représentants du parti qui se présente maintenant comme le parti qui est chargé de rétablir l'ordre et notamment la sécurité publique au Mexique, à savoir le PRI. Le problème qui se pose, c'est de savoir si on vote pour le PRI parce que le PRI représente l'état de droit, une avancée vers davantage d'état de droit, ou est-ce qu'on vote pour le PRI pour avoir davantage de sécurité publique, ce qui n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie le système politique mexicain, on se rend compte que le mode de gouvernement du PRI, et là on a de la distance pour le juger, puisque le PRI est au pouvoir depuis 1929, et il y est resté jusqu'en 2000, il y a eu un intermède de 6 années, de cette année là qui au cours duquel il a laissé le pouvoir à l'opposition de droite entre guillemets. Donc on sait comment fonctionne le PRI. Le PRI fonctionne selon une méthode que l'on pourrait qualifier de corruption institutionnelle. Alors, lorsqu'on dit le mot corruption en France, on saute jusqu'au plafond, c'est pas bien. Hein? Il faut voir que dans la majeure partie du temps que le PRI a gouverné, selon cette méthode-là, les Mexicains étaient satisfaits, en règle générale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un parti politique, le PRI, qui dominait, qui était un parti dominant, qui n'était pas un parti unique, si vous voulez, il y a une opposition, mais c'est lui qui dominait.
et qui contrôlait toutes les forces sociales, y compris les acteurs criminels. Ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Ce n'est plus le cas depuis 1994. Depuis 1994, le pouvoir fédéral s'est retiré du contrôle des groupes sociaux criminels. Ces derniers se sont autonomisés, d'abord en grand cartel de la drogue, et aujourd'hui en groupe plus réduit, mais plus violent, qui sévissent au niveau local et particulièrement dans les États stratégiques. Les États stratégiques, ce sont les États où l'on produit de la drogue, des États qui sont traversés par les routes de la drogue ou les États frontaliers. Ce sont surtout dans ces États-là qu'il y a des problèmes entre groupes criminels. Militaire, pouvoir militaire et politique, représentants politiques locaux. Alors, de quel problème parle-t-on ? Donc, l'État fédéral se retire en 1994. Il transfère la corruption institutionnelle au niveau local, régional, c'est-à-dire au niveau des gouverneurs. Les gouverneurs des États sont maintenant des personnages tout-puissants au Mexique. Ils contrôlent les maires qui sont dans leurs États. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans que, un, le maire, et deux, le gouverneur, soient au courant. Quel est l'objectif d'un maire et d'un gouverneur ? C'est la pacification des rapports sociaux. Tout homme politique se doit de pacifier les rapports sociaux. Or, nous ne sommes plus dans ce cas-là à l'heure actuelle au Mexique. Le pouvoir politique est maintenant dans une situation où il n'est plus capable d'assurer la sécurité publique et de pacifier les rapports sociaux. Alors, ça, c'est un problème parce que ça veut dire que contrairement à ce qui se passait avant 1994, où le pouvoir politique dominait, à l'heure actuelle, dans certains endroits du Mexique, qui sont assez nombreux, c'est le pouvoir criminel qui a un ascendant sur les groupes criminels, sur les groupes politiques et locaux et sur les institutions locales comme la police. C'est ce que nous apprend le cas d'Iguala, n'est-ce pas ? La femme du maire va faire un discours, elle va être perturbée par des étudiants qui viennent revendiquer tout à fait normalement. Elle demande à sa police municipale de réprimer les étudiants. La police le fait et elle confie les étudiants à un groupe criminel avec lequel elle est associée. C'est incroyable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, et ça moi je ne le savais pas, je l'ai appris à partir d'Iguala, les groupes criminels locaux sont instrumentalisés par le pouvoir politique pour faire fonction de groupes paramilitaires. Ce sont eux qui ont en charge la répression des groupes dissidents. Ah oui, mais évidemment, on les avait pris pour des narcotrafiquants d'une autre bande concurrente de la NOS, c'est pour ça qu'on ne voulait pas, etc. Bon, enfin, ça ne tient pas du tout. Il y a des lois, les lois sont censées être respectées, et si les étudiants ont constitué un trouble à l'ordre public, eh bien, on va les arrêter et les faire passer devant la justice. On ne les tue pas. On ne les assassine pas. Dans aucun pays, ça ne se passe pareil. Alors, ça signifie donc que le pouvoir criminel est non seulement associé
au pouvoir politique, qu'il y a une connivence entre les deux, mais que le pouvoir criminel s'est transformé lui-même en institution de répression des opposants au pouvoir politique qu'il soutient. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau au Mexique. Moi qui suis spécialiste de l'impact des narcotrafiquants au Mexique, je n'avais jamais vu ça. D'habitude, c'est la police qui se charge de la répression. C'est la police qui assassine. Là, ce sont des groupes criminels. Les groupes criminels assassinent aussi, lorsqu'il y a des règlements de compte entre eux, lorsque on dévalise et on assassine des migrants, pour les dépouiller. On fait des charniers, ça, on en trouve régulièrement au Mexique, des charniers de migrants d'Amérique centrale. Mais là, nous ne sommes pas dans le même cas. Alors, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, ça veut dire que le cas de Niguala nous apprend que le mode d'organisation des groupes criminels a changé. Auparavant, nous avions fédérations de cartels qui se constituaient, des cartels criminels, pour assurer la circulation et la distribution de drogue. Je vous rappelle que le Mexique est producteur d'héroïne dans des laboratoires, on cultive du pavot au Mexique, qu'il est producteur de marijuana et qu'il est producteur de méthamphétamine. Et que donc il a besoin d'éphédrine, d'importer de l'éphédrine pour fabriquer ces drogues synthétiques. Le Mexique jouait également d'un avantage, qui est également une malédiction, c'est que c'est un passage, c'est une rente territoriale, si vous voulez. C'est un passage obligé pour la cocaïne andine, pour qu'elle puisse parvenir jusqu'au marché nord-américain. Et l'État du Guerrero, particulièrement, est un État charnière parce que la route du Pacifique du trafic transnational de cocaïne passe par le Guerrero. Dans le Guerrero sont produits, sont cultivés de l'opium et de la marijuana et également il y a des laboratoires de fabrication de méthamphétamine. Donc, il y a tout au Mexique. Dans l'état voisin du Guerrero, à la limite, vous avez le port de Lázaro Cárdenas, qui est l'un des principaux ports de marchandises du Mexique, dont, incidemment, on a appris il y a un an et demi qu'il était tenu par un cartel qui s'appelle les Caballeros Templarios. C'était ce cartel de la drogue qui tenait le plus grand port du Mexique. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a fallu que l'armée aille investir ce port pour rétablir la légalité, entre guillemets. On a appris également que ces fameux Caballeros Templarios contrôlaient des mines de fer sauvages et qu'ils exportaient le fer en Chine à partir du port de Lázaro Cárdenas. C'est incroyable. Alors, ils se sont transformés non seulement en acteurs politiques, on vient de le voir, mais également en acteurs économiques et avec une fonction sociale. Cette fonction sociale qui fait que dans de nombreux endroits du Mexique, sûrement pas Iguala auprès des familles de ces étudiants, ils jouissent d'une certaine légitimité parce qu'ils permettent de redistribuer une partie des bénéfices qu'ils réalisent auprès de la population. C'est-à-dire que quelque part, les narcotrafiquants jouent le rôle redistributif de l'État.
que l'État ne remplit plus. Dans un système libéral, l'État dispose de moins en moins de moyens, et notamment de moins en moins de moyens de redistribution sociale. Pourquoi ? Parce que payer des impôts, c'est mal. Donc, si on ne paie pas d'impôts, l'État n'a plus de ressources. Sa seule ressource, c'est de s'endetter. Bon, on ne va pas parler de la dette ce soir, mais ce qu'il faut voir, c'est que, donc, quelque part, les narcotrafiquants, malgré ce qu'on en dit, sont perçus par une partie de la population mexicaine comme des acteurs politiques, économiques et sociaux légitimes. Tel est le problème qui se pose à l'heure actuelle au Mexique. Et tel est, on ne voit pas de sortie politique à ce problème-là, parce que tous les trois partis de gouvernement, le PRI, le PAN et le PRD, sont compromis, plus ou moins, et plutôt plus que moins, avec les narcotrafiquants. Nous sommes donc face à un problème d'offre politique au Mexique. Le peuple mexicain ne sachant plus pour qui il doit voter. Il y a des élections, je ne vais pas voter pour le meilleur, je vais voter pour le moins pire. Bon, ceci dit, il n'y a pas comme ici. Donc, problème d'offre politique, absence de parti d'alternance qui pourrait proposer un système, qui pourrait proposer un changement de système politique au Mexique. Parce que c'est là, si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le problème aujourd'hui au Mexique n'est pas un problème de sécurité publique. Ce n'est pas un problème de violence. Le problème du Mexique, c'est un problème de corruption institutionnelle, structurelle. Hein? C'est-à-dire, pour employer un langage simple, il faudrait parvenir à séparer les bons et les méchants. Dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours des acteurs criminels. Mais ce n'est pas partout qu'on voit des autorités politiques entretenir des connivences structurelles avec ces acteurs criminels. Deuxième conclusion, pour parvenir à cela, il faut s'attaquer au nœud du système. Le nœud du système politique, ce sont les gouverneurs, je le répète, les gouverneurs des États. C'est eux qui disposent du pouvoir réel au Mexique. Ce sont les grands caciques du pays. Et tant qu'on ne mettra pas les gouverneurs des États en prison, c'est la même chose qu'avec les banquiers d'ailleurs, tant qu'on ne les mettra pas en prison, eh bien, on continuera à entretenir une impunité préjudiciable à la démocratie. Merci. Merci beaucoup, Jean Rivelois. On peut passer à entendre la parole à Gilles Bataillé. Je vous remercie. Je vais broder sur les mêmes thèmes que ceux de Jean Rivelois. Et je vais vous présenter des réflexions que j'ai écrites il n'y a pas très longtemps pour un article. Enfin, c'était, je devais aller faire des conférences au Brésil. On m'avait demandé de parler non pas de l'Amérique centrale, ce qui est la chose que je connais le moins mal, mais de la violence au Mexique qui intéressait plus les gens. Et donc, j'ai essayé de réfléchir et j'ai commencé à réfléchir au moment de Ayotzinapa. Donc, la première chose qui me paraît tout à fait remarquable, c'est que Ayotzinapa est la partie la plus visible d'un iceberg. C'est-à-dire qu'il y avait eu avant une tuerie qui avait fait un scandale énorme dans le Tamaulipas, qui était l'assassinat d'un nombre à peu près deux fois plus élevé de migrants sud- et centra-américains. Et pour la première fois, les Mexicains s'étaient dit « il y a des tueries très importantes et il y a quelque chose d'insupportable là-dedans ».
Et très longtemps, les Mexicains n'ont pas voulu voir ça. J'ai été professeur aussi au Mexique au début des années 2000. Dans les journaux, en particulier dans Reforma, il y avait une rubrique qui s'appelait « La ciudad y el crimen » qui était faite par un très bon juriste. Et c'était une rubrique qui était lue par les lecteurs ordinaires. Et à part un ou deux sociologues, personne jugeait que c'était un thème qui était pertinent. Et le CIDE était un très bon observatoire politique, parce qu'il y avait un certain nombre de professeurs de la division d'études politiques où j'avais été avant d'aller à la division d'histoire, qui jouaient des rôles de consultants auprès d'hommes politiques, et c'était un thème qui n'était pas à l'agenda des choses, des hommes politiques, et il a fallu attendre la veille de mon départ en 2004 pour, prenant des derniers whisky avec un monsieur qui avait été conseiller de Jesús Reyes Heroles, qui n'était pas n'importe qui dans le système politique mexicain, qu'ils me disent « effectivement, c'est un problème très inquiétant et personne ne veut en parler. Je suis de Monterrey et tout autour de Monterrey, on voit prospérer une industrie liée au trafic de drogue et à la violence. » Et disons, depuis la fin du mandat de Fox et le début de Calderón, on a des taux d'homicide au Mexique au niveau national qui sont comparables à ceux des pays en guerre et qui ressemblent à ceux des pays en guerre comme l'Amérique centrale une vingtaine d'années auparavant, avec une géographie qui est quand même complètement, avec des différences, des disparités régionales énormes. C'est-à-dire que si vous prenez ce taux moyen d'homicide, eh bien, il est très largement dépassé dans le quart nord-ouest du Mexique, et la péninsule du Yucatan est peu ou pas touchée, et les autres grandes zones du crime, c'est les villes de la frontière de Monterrey à Nuevo Laredo, c'est le nord du golfe du Mexique, et c'est la Costa Chica et le Guerrero, qui est une des grandes zones de production d'opium au Mexique, si c'est la zone de production d'opium. Et ce qui est très frappant, c'est que, alors que les intellectuels se sont longtemps désintéressés du problème, une revue comme Proceso, qui est une des grandes revues, qui est même le grand magazine d'investigation au Mexique, disons, dans les années 70-80, sa spécialité, c'était d'abord la guerre sale, et ensuite, ça a été la fraude électorale. Et aujourd'hui, c'est la violence criminelle liée aux affrontements dans les territoires où sont présents les narcotrafiquants et les contre-coups avec l'armée. Et donc, vous avez des journalistes à Proceso et dans d'autres journaux qui ont commencé à faire de très bonnes enquêtes et qui ensuite ont commencé à être menacés très régulièrement, puis assassinés à partir du moment où ils parlaient de ces choses-là. Vous avez très tôt de la musique populaire, les plus connues sont Los Tigres del Norte, mais il y en a des tas d'autres. Et si vous prenez La Camioneta Gris, c'est un corrido très ancien qui chante déjà les trafiquants de drogue. Et disons, il y a eu un moment où on a chanté les trafiquants de drogue, et le dernier corrido ne chante plus les trafiquants de drogue, mais la violence. Et je pense à cet extraordinaire corrido qui, en même temps, mis en scène, vous le trouverez facilement sur YouTube si vous ne le connaissez pas, qui est La Granja, qui décrit cette guerre et cette entremangerie qui se développe à partir de la fin du mandat de Fox et durant la guerre déclenchée par Calderón contre les narcotrafiquants. Vous avez de la même façon une littérature qui met en scène la violence autour du trafic de drogue, et vous avez enfin des gens dans les sciences sociales qui s'y sont mis, et en assez grand nombre, et certains d'ailleurs, avec des consultorias très juteuses, où ils disent des choses, à mon avis, qui n'ont pas grand sens, mais comme des gens ont fait de l'argent sur la pauvreté, ils font de l'argent sur le trafic de drogue. Mais ce qui paraît important, c'est à la fois ce taux très élevé d'homicide, et en même temps le fait que c'est quelque chose qui est omniprésent dans le discours des gens et dans la vie quotidienne des gens dans toute une partie du territoire. Et c'est-à-dire que si effectivement dans le Nord-Ouest, la vie est devenue invivable et a complètement été bouleversée dans certaines parties du Chihuahua ou de la Sonora, c'est quelque chose qui en même temps obsède aussi les gens dans des zones où ils ne sont pas directement touchés,
Et par exemple, la grande préoccupation des gens dans le DF et dans la périphérie du district fédéral, c'est quand est-ce qu'on va voir des cadavres coupés en morceaux dans des camionnettes sur des parkings de centres commerciaux. Et disons, il y a une espèce d'attente de ça. Et la chose qui me paraît aussi nouvelle dans le taux d'homicide, contrairement à ce qu'a écrit un analyste reconnu au Mexique, qui est Fernando Escalante, c'est qu'il ne suffit pas de compter les morts, mais il faut aussi se rendre compte que la hausse du taux d'homicide s'accompagne de manifestations de cruauté inouïes et qu'on ne connaissait pas à grande échelle depuis la guerre contre les cristeros. Et ça, c'est quand même quelque chose qui renvoie à 80 années auparavant. L'autre chose qui me paraît très importante à considérer, c'est la porosité du monde du crime organisé, de la police et du monde politique depuis les années 30. Et pour prendre un paradoxe, je dirais que les élites mexicaines sont d'excellents durkheimiens. Il n'y a pas de société sans crime. Et donc, à partir de là, on a une lecture cynique du problème. C'est puisqu'il n'y a pas de société sans crime, autant le réguler à notre profit. On ne l'arrêtera jamais, puisque, comme disent toute une série de bons esprits, quand des délinquants disparaissent et qu'il y a des activités rentables, d'autres apparaissent. Autant contrôler ceux qui sont là, juguler un peu l'affaire et prendre notre quote-part. Et disons, ça a été l'attitude de la police mexicaine. Il y a d'excellentes enquêtes de quelques sociologues mexicains et de sociologues mexicains installés aux États-Unis et de chercheurs hollandais qui ont écrit des ouvrages remarquables sur le sujet. Et disons, il y a eu un moment où cette chose s'est systématisée. C'est, je pense, à un personnage emblématique de ce type de corruption, la police à l'époque de López Portillo, connu sous le sobriquet d'El Negro Durazo, qui a fait ce que les autres policiers faisaient, sauf qu'il l'a systématisé et qui lui a donné une intensité qu'on n'avait pas connue jusque-là. Et de la même façon, il y a une corruption des hommes politiques, du PRI, puis du PRD et du PAN à partir du moment où l'alternance a fonctionné au niveau de certains municipes et au niveau de certains gouverneurs d'État ou dans des congrès locaux, pour du trafic d'influence, du délit d'initié ou des mordidas pour attribuer des chantiers publics et des œuvres publiques. Et disons, le dernier en date, c'est l'histoire de la femme du président avec une résidence somptueuse dans les quartiers bien de Mexico. Et si vous voulez, on a là quelque chose de très ancien et qui était considéré comme normal. Et il y a eu des études d'un sociologue du CSAS tout à fait intelligent qui a montré comment sous Alemán, jusqu'à Alemán, la corruption, c'était s'approprier des biens. Ça pouvait être des biens fonciers, ça pouvait être en ville ou en zone rurale, et il y a eu l'idée, à partir d'Alemán, à partir du moment où il y a eu un commerce et une volonté d'accéder à ce qu'on appelle les electrodomésticos des Mexicains aux États-Unis, c'était le début des industries de substitution des importations, il y a eu l'idée que si on contrôlait les douanes, on allait faire énormément d'argent. Donc, il y a eu une tradition de contrebande où on importait des biens des États-Unis et on les faisait rentrer illégalement au Mexique en payant non pas des droits à la douane, mais à des officiers de police corrompus qui contrôlaient les douanes. Et il y a un chercheur du CSAS qui a fait un livre excellent là-dessus, qui montre comment les gens proches d'Alemán ont su mettre des gens qui ont tenu les douanes jusqu'à des années récentes, en particulier dans une zone comme Nuevo Laredo, qui était le principal zone d'entrée de toute une série de produits indispensables à la consommation des Mexicains. Donc, c'est une histoire extrêmement ancienne et qui a touché les hommes politiques au plus haut niveau. Il y a une question qu'on ne pose jamais au Mexique et sur laquelle il n'y a jamais eu d'enquête systématique, sauf des bribes, c'est quelle est la fortune des hommes politiques ?
prenons les présidents, prenons les gouverneurs et prenons les maires ou les regentes des grandes villes et prenons les gens dans les, au congrès national ou dans les congrès des États de la Fédération. Il y a là toute une partie de gens qui se sont enrichis de la façon la plus scandaleuse et d'une certaine façon la plus acceptée. Tout le monde vous dit dans des conversations mondaines que le père de Salinas de Gortari était secrétaire du commerce extérieur et que c'est quelqu'un qui vendait des quasi-patentes au contrebande, c'est-à-dire qu'il répartissait des choses. Et l'idée, si vous voulez, que le frère, le président de la République, ait été narcotrafique comme l'a été le frère de Salinas de Gortari qui était président sans que son frère le sache, et tout simplement, pour reprendre un mot de Jacques Chirac, abracadabrantesque. C'est tout simplement impensable. Bon. Donc, si vous voulez, c'est l'idée qu'il y a un certain consensus social autour de ça. Et il me semble que ces choses ont basculé à un moment qui a été la signature du traité de libre commerce avec les États-Unis, qui a correspondu à un moment où le DEA, la police colombienne et l'armée colombienne ont porté des coups très importants aux narcotrafiquants en Colombie, et que les grands cartels qui dealaient avec des petits transporteurs mexicains sont devenus des petits cartels qui ont dealé avec des transporteurs mexicains qui sont devenus des entités énormes. Donc les choses ont été en faveur du Mexique, d'autant plus que la voie de la zone Caraïbe a été fermée. Et disons, ce qui est très révélateur de ça, c'est le fameux procès Ochoa à Cuba, où les Cubains, l'armée cubaine, les services secrets cubains étaient impliqués là-dedans. Il y a eu, on a mis ça sur la table du côté américain pour gêner les Cubains, et les Cubains ont sacrifié la tête de ça, qui était bien évidemment un homme qui agissait avec la bénédiction des plus hautes autorités. Et ce que j'ai dit pour la famille de Salinas vaut pour Castro et son entourage vis-à-vis d'Ochoa et des autres officiers qui ont été condamnés pour participation au trafic de drogue. Donc, on a un moment et un territoire, comme le disait Jean Rivelois, qui est parfait pour ça. Et l'autre chose que je voudrais vous expliquer, c'est que ce boom du narcotrafic, ce n'est pas simplement le narcotrafic. C'est comme l'a très bien expliqué quelqu'un qui est en train de terminer sa thèse à l'École des hautes études là-dessus, Sabine Guez, qui avait fait un article très bien il y a quelques années dans le problème d'Amérique latine et dans culture et conflit, c'est l'idée que la drogue suppose des activités de renfort. Et elle prenait une image d'un sociologue du monde de l'art, Howard Becker, qui disait: un musicien, il n'est pas un musicien tout seul. Il y a des électriciens, il y a des gens qui organisent le concert, il y a des gens qui font des instruments de musique, il y a des gens qui vendent les billets. Eh bien, pour le trafic de drogue, c'est la même chose. Il y a des cultivateurs, il y a des transporteurs, mais les transporteurs, ils achètent des voitures. Il y a des garagistes qui font des planques dans des camions. Il y a des gens qui nourrissent les gens qui pratiquent cette activité. Il y a des banquiers au Mexique et aux États-Unis et ailleurs qui recyclent cet argent. Il y a des joailliers qui vendent des armes avec des crosses en or, des bijoux, des vêtements de luxe à ces gens qui gagnent énormément d'argent. Il y a un boom immobilier dans les villes du nord du Mexique qui est lié à ça. Le boom immobilier de Miami et d'une partie des villes texanes est lié à ça. Vous avez des musiciens qui vivent de ça. Non seulement ils chantent les narcos, mais ils sont invités à des fêtes somptueuses, on les paye très très bien pour être les troubadours des narcos. Donc vous avez toute une articulation entre le narcotrafic et le, disons, la société mexicaine. Et je voudrais conclure sur deux choses, c'est que ce boom de l'argent lié au narcotrafic qui a entraîné la violence que l'on sait pour les raisons qu'a expliqué Jean Rivelois, elle est renforcée par deux choses. Une ancienne dans la vie politique mexicaine et latino-américaine et une récente liée à la globalisation. La chose ancienne, c'est l'idée que quand on est un homme politique,
on gagne de l'argent en faisant de la politique et que tout ça est légitime et qu'il y a l'idée que ces gens très riches, ils arrosent les plus pauvres et que ça permet une mobilité sociale et une stabilité sociale et que tout ça est très bien. Et il y a un rapport complètement schizophrénique à la loi où il y a l'idée que des institutions judiciaires indépendantes et une loi qui s'applique à tous est quelque chose qui ne fait pas sens, sauf dans certains pays. En Amérique latine, il y a quelqu'un qui a écrit des choses très bien là-dessus, qui est Martuccelli, dans Existe un individu au sein sur, et il y a des juristes argentins, des anthropologues péruviens, qui ont très bien montré ça. Et je dis, on retrouve ce qu'un classique de la sociologie de la déviance a montré, je pense à Banfield, qui parle de familialisme amoral, c'est-à-dire tout pour le groupe de pères et rien pour les autres. Et l'idée d'un marché régulé par des lois qui valent pour tout le monde, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis comme ça au Mexique et dans les autres pays latino-américains, et plus encore dans les pays centra-américains, jusqu'à une époque très récente. Et la chose qui a renforcé cette idéologie, c'est, disons, les images portées au pinacle par la mondialisation. C'est d'abord une image du bonheur comme défonce. Si vous comparez les vedettes des films américains, les photos des acteurs américains, c'est des gueules de junkies et on n'est plus dans l'élégance de Gary Grant ou de Audrey Hepburn, mais c'est un autre modèle social. Et il y a l'idée de la vie accélérée et que la vraie vie, c'est les psychotropes et l'argent qui coule à flot. C'est des espèces d'images d'épinal qui sont aussi bêtes que celles de la morale traditionnelle, à mon sens, mais c'est des images sociales qui font sens. Et c'est imposé comme jamais avec l'idée de la mondialisation. Par exemple, l'image des grands sportifs, c'est aussi une... Qu'est-ce que c'est qu'un grand sportif ? C'est quelqu'un qui prend des produits dopants qui ne sont pas sur le tableau des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser quand on est un sportif de haut niveau et qui ensuite se défonce pour se reposer. Il y a toute une série d'images sociales qui sont là. Et disons, là encore, il y a un imaginaire de la finance comme celui du sport au niveau qui est un imaginaire de la triche. Tricher, faire n'importe quoi pour gagner. Et ça va assez bien avec l'imaginaire du narcotrafic. Après tout, si l'imaginaire du néolibéralisme, c'est vendre ce qui rapporte le plus, on est en plein dedans et c'est tout à fait satisfaisant. Et disons, si vous regardez, prenez un pays comme la France qui est plus puritain par rapport à ça, si vous regardez les images qu'on vous montre des vacances des grands footballeurs ou d'un certain nombre d'hommes politiques, on est dans cet imaginaire-là. Et on l'est encore plus aux États-Unis et on l'est tout autant dans un pays comme le Mexique. Donc si vous voulez, vous avez une acceptation sociale de ces modèles liés à l'économie de la drogue et vous avez découvert autour du cas d'Ayotzinapa des dégâts que fait ce mode de vie qui a été porté au pinacle de différentes façons, celui de la triche et de la corruption comme développement stabilisateur, comme on disait au Mexique, et quelque chose qui a été amplifié par l'économie de la drogue à partir des années 90, avec les phénomènes de violence qu'on connaît au Mexique à partir du milieu des années 2000. Et c'est ça qui rend la chose difficile et compliquée, et que la grande question au Mexique, ce qu'a très bien souligné quelqu'un comme Buscaglia, qui est un juriste, qui est prof à l'Université de Columbia à New York et qui a fait plusieurs bons livres là-dessus, il dit que le problème du Mexique pour se confronter à ça, c'est l'absence d'institutions judiciaires indépendantes. Les institutions judiciaires au Mexique, et je ne m'étendrai pas là-dessus, sont des institutions aux ordres. Et il en prenait un exemple charmant en disant les gens responsables des plus hautes cours dans les États de la Fédération mexicaine, ils parlent de « mi gobernador ». Ils sont des laquais des gouverneurs. Et donc tout le problème, c'est de changer cette mentalité et de créer des institutions qui puissent résister à la corruption. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup, Gilles Bataillon. J'aimerais aussi vous renvoyer un article dans Nueva Sociedad, qui est donc
qui est rédigé par Gilles Bataillon. On trouve très facilement en ligne, en effet, Nueva Sociedad, une revue latino-américaine. Et aussi un article du Monde qui était très remarqué. La visite du président mexicain Enrique Peña Nieto à Paris, donc un article rédigé par Gilles Bataillon le 12 juillet, je pense, qui est paru. C'est un article, je crois, important dans cette situation-là. L'idée, c'était de dire comment peut-on accueillir, qu'on accueille un président du Mexique le 14 juillet, pourquoi pas, comment peut-on l'accueillir de cette façon-là, lui remettre la médaille de la Sorbonne, c'est un excellent collègue de l'école des hautes études devenu recteur qui lui a remise, et comment peut-on penser que l'armée mexicaine puisse défiler comme ça sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Il paraît, d'après les amateurs de ce qu'on appelle l'ordre serré, que c'était une prouesse technique de marcher comme ils ont marché, avec un aigle sur le poing, peut-être, mais il y a derrière l'affaire d'Ayotzinapa et quelques autres qui méritent quand même qu'on prenne les choses avec un peu plus de sérieux, me semble-t-il, et pas simplement le sens du spectacle. Tout à fait. Et donc voilà, pour ma part, j'aimerais resituer un petit peu le problème en venant un peu plus du côté des mouvements sociaux. Presque de l'autre côté, je crois que vraiment c'était assez magistral, très complémentaire dans les deux exposés, de voir la situation du Mexique en général, et il faut resituer ça dans le contexte. Je pense qu'on ne le fait pas assez. C'est vrai que c'est un problème qui est récent, qui a une dimension plus récente, mais aussi un problème qui se situe dans une plus large échelle temporelle. Donc je pense que les deux exposés étaient vraiment remarquables, en tout cas je les ai beaucoup appréciés. Une question qu'on se pose souvent finalement aussi, c'est pourquoi est-ce que Ayotzinapa, finalement, ce massacre a déclenché ces mobilisations? Ou plutôt, pourquoi ça ne s'est pas fait avant aussi? Et je crois que Jean-Yves Veloin avait bien raison de dire que c'est la partie visible de l'iceberg, qu'il y a bien d'autres choses. J'aimerais moi aussi voir ça du côté des mouvements sociaux. Et là, je crois que Ayotzinapa, finalement, c'est un peu la synthèse de quatre grands courants de mouvements qui ont animé le Mexique depuis au moins 15 ou 20 ans. D'abord, ce sont des paysans, des indigènes. Et on sait toute l'importance qu'ont ces mouvements au Mexique. C'est très connu avec les zapatistes, mais c'est juste, il y en a plein d'autres. Je crois avec les mouvements qu'on voit aujourd'hui, très intéressants, d'autodéfense, on voit vraiment toute l'importance de ces mouvements ruraux, paysans, au Mexique aujourd'hui. Ils sont restés mobilisés. Il y a toute une série d'actions, petites, plus grandes, je pense, contre un projet d'aéroport près de Mexico, enfin, sans cesse, il y a des mobilisations au Mexique de ces mouvements paysans indigènes, donc qui ont de fait immédiatement relayé cet événement. Ce sont aussi les étudiants de l'école normale, donc qui se destinent à devenir instituteurs, les maestros. Et là aussi, de nouveau, c'est quand même l'un des grands mouvements qui a animé le Mexique. On pense à la APO, l'Assemblée populaire du Oaxaca, et la série plus récente de mobilisation des instituteurs, où on a ici vraiment l'école normale rurale, qui est quand même un héritage de la révolution mexicaine, avec cette idée qu'on allait amener l'éducation dans toutes les zones, même les plus reculées, les plus pauvres du Mexique. Et ces maestros sont beaucoup de choses, c'est aussi en partie un mouvement corporatiste, mais c'est aussi un mouvement qui tient à ces valeurs-là, et donc qui sait immédiatement aussi qu'il a relayé l'information qui s'est mobilisée. Ce sont les étudiants, évidemment, le secteur, et beaucoup d'entre vous est ici, vous êtes plusieurs étudiants ici, donc c'est un secteur qui s'est mobilisé très régulièrement, et je reprendrai ici les mots de ma collègue, ma brillante collègue, Rosana Reguillo, qui dit en fait être jeune au Mexique, c'est parfois devenu un crime. C'est vrai que les jeunes sont ainsi directement affectés par la répression, bien sûr, on en parle tout le temps, une bonne partie des morts sont des jeunes, une bonne partie des narcotrafiquants aussi, et puis aussi victimes de la crise économique. Même le traité de libre-commerce laisse quand même assez peu de place aux jeunes pour trouver sa place dans le monde économique d'aujourd'hui et pas beaucoup plus de place dans le monde politique aussi. Donc c'est pas évident d'être jeune si on veut être entrepreneur. Ou si on veut être, si on fait des études, que fait-on après? C'est pas évident du tout, et vraiment la répression est assez forte. Et puis les jeunes aussi, qui se sont mobilisés, notamment avec un mouvement de Yo Soy 132, 132 en résumé en français, et donc qui fait partie de ces mouvements pour la démocratie, et qui pointe quelque chose de fondamental au Mexique aujourd'hui, et c'est tout à fait lié à cette corruption structurelle, c'est la collusion entre les élites politiques, économiques et médiatiques. Vraiment, le monde des médias de l'information, c'est essentiel. Et puis, évidemment, ces jeunes, directement, ces jeunes disparus, et certains d'entre eux assassinés, au moins, certains d'entre eux, évidemment, sont tout à fait liés au mouvement pour la paix et la justice avec la dignité,
qui est resté actif en fait. On en parle moins, mais il y a toutes les cellules dans différents endroits, il y a des réunions de temps en temps. Et donc tout ça, finalement, tous ces acteurs se sont retrouvés mobilisés au moment d'Ayotzinapa pour dire que c'est évidemment, c'est un crime d'une grande ampleur, mais il y en a eu d'autres. Et donc si c'est Ayotzinapa qui a déclenché ça, il y a quand même juste quelques semaines avant, ce qui s'est passé à Tlatlaya est incroyable, et plus incroyable encore d'après ce qu'on en sait aujourd'hui. Je reviendrai. Et donc on voit comment ça fait entrer en résonance ces mouvements, non seulement parce qu'il y avait les réseaux qui étaient là, mais aussi parce que pour chacun de ces mouvements, il y a un sens particulier, et Ayotzinapa incarne un peu tout ça en même temps. Et puis on voit maintenant, donc j'aimerais revenir à un problème très récent. J'étais surpris d'ailleurs que les parents ont rencontré le président mexicain, et donc là on voit toute l'ampleur de ce que certains appellent l'incompréhension, je ne suis pas sûr que c'est une incompréhension, des relations entre les mouvements sociaux et le gouvernement mexicain, qui aussi je crois doit être resitué, qui ne date pas de ce gouvernement-ci, malheureusement je dirais, à deux niveaux. Premièrement, il y a une longue histoire qui date d'il y a à peu près exactement 20 ans maintenant, d'une transformation du modèle priiste qui était d'intégrer certains mouvements sociaux et de réprimer en même temps. Et puis à partir d'un modèle assez différent, beaucoup plus médiatique aujourd'hui, et où finalement le gouvernement négocie assez régulièrement avec les mouvements sociaux, mais en général ne tient pas ses promesses ensuite. Le cas le plus emblématique, c'est celui des accords de San Andrés avec les zapatistes. Et donc qui est les zapatistes qui, pendant des années, ont d'abord négocié avec le gouvernement. Donc ce n'est pas un accord qu'eux ont voulu, ils ont vraiment cédé du terrain, et voilà, il y a un accord signé par le gouvernement. Et puis pendant 7 ans, ils ont été à Mexico tous les quelques mois, une démarche, etc., pour demander que les accords soient en œuvre, ce qui n'a jamais été le cas. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bon, on ne peut plus, ça ne sert à rien de négocier avec le gouvernement, nous devons changer la société de manière autonome dans notre coin du Mexique. C'est un cas parmi d'autres, toute une série de cas. Un cas récent, assez connu sans doute, c'est celui du mouvement pour la paix, où malgré toutes les dissensions internes, finalement, Javier Cecilia va voir le président mexicain, il tombe d'accord sur quelques mesures, et puis on peut dire que c'est pour le moins détourné. Bien sûr, il y a une reconnaissance des victimes, mais on place la statue pour les victimes dans un cartel militaire, ce qui est quand même un non-sens pour tous ceux qui dénoncent les crimes commis par l'armée. Il y a la loi des victimes très contestée, donc on voit de nouveau, une fois de plus, malgré Javier Cecilia, décide son mouvement aller discuter avec le président, avec les autorités, le gouvernement, et puis finalement, non cumplen. Ils ne tiennent pas parole, ils ne font pas ce qu'ils disent. Et donc comment veut-on après ensuite redire aux mouvements sociaux qui apparaissent forcément ensuite, aller discuter avec les institutions. Et en même temps, la question que je me pose à moi-même, et que je pose à tous, peut-on régler ce genre de problème sans les institutions ? Elles ne sont évidemment pas neutres, mais peut-on faire comme si elles n'existaient pas ? Parce que justement, elles ne sont pas neutres, et donc si elles ne sont pas d'un côté, elles sont quand même, comme le soulignait très bien Jean-Rive Loin, de l'autre. Et donc, ce sont des institutions qui sont très actives dans la répression des mouvements sociaux et dans toutes ces autres choses. Donc il y a ce problème fondamental avec les mouvements sociaux, mais au-delà aussi de la confiance finalement. Et je crois qu'au-delà du cas où chacun des cas depuis un an, on a quand même une succession de choses, de cas personnels, mais qui finalement sont très tristes pour les institutions mexicaines. La Casablanca, c'est quand même le cas de la corruption tout à fait extrême, comme on le dit, dans n'importe quel autre pays. Un journaliste américain, je crois, écrivait ça. Dans n'importe quel pays, le problème de corruption dans la Casablanca aurait fait mener à la démission du président. Au Mexique, ça mène au licenciement des journalistes. Il y a le cas aussi de l'armée, quand même. L'idée qu'on avait, ou que beaucoup de gens avaient, c'est que l'armée, ok, ça fait quelques dégâts, mais finalement, c'est tout ce qu'on a pour lutter contre la violence. Cette idée est battue en brèche depuis un an. Pas qu'au Mexique, hein, c'est le cas partout, mais au Mexique en particulier. Je le disais, Tlatlaya, 22 personnes non armées qui sont tuées pendant la nuit. Mais surtout, on apprend récemment qu'elles sont tuées pas par hasard comme ça. C'est parce qu'il y avait des ordres de les tuer de préférence la nuit. Il vaut mieux les tuer la nuit que les arrêter. Les ordres ont été donnés tout au-dessus. Et puis surtout, par exemple, la fuite du Chapo. On apprend au passage qu'il a le principal narcotrafiquant, a été arrêté non pas par des Mexicains, mais par des Américains déguisés en Mexicains, et qui n'ont surtout pas informé l'armée mexicaine de ça. Et donc on se dit, bon, l'armée qui fait tellement de dégâts, mais en même temps, elle ne sait pas lutter contre le narcotrafiquant, puisque les Américains ne feront pas confiance du tout. Et donc là, il y a vraiment le concept assez clair. On retrouve ce que Mericador et d'autres personnes disent, hein, que au Mexique, mais elle parle d'autres pays, que l'armée est souvent aussi partie du problème et souvent davantage que de la solution. Et puis l'institution judiciaire, Gilles Bataillon le rappelait, ce n'est pas nouveau, mais quand même, ce que montre la Commission internationale,
C'est quand même incroyable. Et il y a un travail important qui est fait notamment par Frère Morena, mais ici, je veux surtout souligner quand même le discours qui m'a trouvé assez extraordinaire du leader du PAN à l'Assemblée, Javier Corral. Aujourd'hui, ce qui est clair, dit-il, c'est que le mensonge est du côté de l'État. C'est quand même parti de gouvernement qui dit ça. Donc, je veux dire, c'est clair pour tout le monde. Le plus haut responsable de la justice au Mexique parle. Il refait une deuxième conférence de presse pour soi-disant établir une vérité historique qu'il savait fausse. Et donc, le problème, c'est que finalement, ce ne n'est pas un problème de personne, c'est un problème structurel, bien sûr, mais le problème qui se pose, c'est sur quoi est-ce qu'on peut reconstruire ? Sur quoi est-ce qu'on peut reconstruire si il n'y a plus d'institutions nulle part, la justice, l'armée, tout ça, on pense à d'autres pays où c'est très problématique, mais au moins, il y avait une partie de la population qui a maintenu sa confiance, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans certaines institutions, parfois l'armée, la justice ou d'autres. C'est pas une institution, mais la presse, c'est la même chose au Mexique avec cette collusion. Et donc là, vraiment, je pense que le souci au Mexique aujourd'hui, évidemment, c'est comment penser les alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement, si par où commencer? Et là, ce qui apparaît assez clairement aujourd'hui, c'est le piège de la transition électorale qui était pensée, la transition à la démocratie qui était pensée comme une démocratie électorale. On organise l'élection, on donne plein d'argent. On met plein d'argent dans le système électoral et puis on fera une démocratie. Et donc là, vraiment, le Mexique, c'est une démocratie la plus chère du monde. Et on voit le résultat. Face à cela, on voit comment cet argent est en fait pris par Phagocyté ou dans le Guerrero. Et Jean-Rive Leloy, pour nous en dire davantage, une partie des sénateurs du Guerrero sont directement les leaders des narcotrafics. Et donc, il y a trois solutions en fait face à ça, en société civile aujourd'hui au Mexique. Une, essayer, malgré tous les problèmes, de reconstruire une alternative politique, l'offre politique. Il n'y a qu'un de loin. L'alternative politique, il y a 10 ans, le PRD a quand même réussi à combiner en un an et demi, se dire fraude, ils se sont dit fraude, victime d'une fraude électorale dans les élections mexicaines, et quelques mois plus tard, ils font une fraude interne. Donc là, vraiment, cette voie-là était à reconstruire. Il y a une reconstruction qui peut être en cours, on pourrait en discuter, hein, mais qui en même temps divise. Hein. Voilà, il n'y a pas toutes les voix qui ne sont pas reportées sur Morena, par exemple. Et donc, les deux alternatives principales, finalement, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui au Mexique la démocratie contre l'État, pour reprendre le titre d'un livre Miguel Abensur, merci. Miguel Abensur. Démocratie contre l'État de deux manières, finalement. D'un côté, les mouvements qui disent on a été négocié avec l'État très souvent, il n'y a plus rien à en attendre. Et donc, essayons de construire des alternatives et se nous défendre au moins en dehors de l'État. Ce font les apatistes, mais aussi les groupes de défense dont on n'a pas assez parlé, je crois. Avec des groupes comme des gens qui sont impliqués, qui risquent leur vie là-dedans. Il y a de tout là-dedans. Il y a aussi des groupes qui sont repris par les narcotrafiquants, bien sûr. Mais il y a aussi des groupes qui disent la seule solution pour que notre communauté puisse s'organiser et sans narcotrafiquants et sans la police, qui est parfois la même chose, c'est une alternative autonome. Et donc là, vraiment, démocratie contre l'État au sens le plus simple. Il y a aussi un autre ensemble d'alternatives qui se construit, qui est important, qui est un peu ce qu'ici en France, on appellerait ça la contre-démocratie avec Ronzo Vallon. Et c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que dit Ronzo Vallon et bien d'autres, je crois, avant et après lui. La démocratie n'a jamais été qu'électorale, bien sûr. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et il nous dit, la démocratie aujourd'hui fonctionne notamment parce qu'il y a des contrepoids à ceux qui sont élus, et qui contrôle la vigilance, démocratie de vigilance, dit John King. Ça me paraît essentiel. Et cette démocratie de vigilance, aujourd'hui, au Mexique, elle est de plus en plus attaquée, et ce n'est pas du tout un hasard, parce que souvent, ce qui reste en vigilance, c'est le dernier rempart qu'il y a face au pouvoir de plus en plus puissant des gouverneurs, mais aussi au niveau fédéral. Une démocratie de vigilance qui est exercée par deux types d'acteurs, je dirais, importants, plein d'acteurs. Mais d'un côté, une société civile attachée à l'état de droit, et j'aime beaucoup ici une citation d'un de mes collègues, Mathieu Nanteuil, qui dit « Les mouvements de défense des droits humains ne luttent pas seulement pour le respect de certains droits, ils défendent aussi un idéal politique qui a trait à la possibilité d'une réappropriation subjective des fondements juridiques de la démocratie. » Et donc, c'est ici, donc c'est pas très loin ce que dit Gilles Bataillon, il y a aussi la démocratie, mais aussi une démocratie qui peut être réappropriée subjectivement par les individus, et pour ça, l'état de droit, c'est un aspect essentiel. Et puis, il y a le second pan fondamental, qui est la bataille pour l'information. Une bataille pour l'information qui est difficile, qui est violente, qui coûte cher au Mexique.
avec un monde de la formation. On a trop longtemps, beaucoup de sociologues ont placé tout le espoir dans Internet. Ça allait changer le monde, on aurait toute la formation, on peut plus manipuler les gens comme avant. Non, c'est faux. Au Mexique, on voit bien que ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie des médias est très différente. Ce n'est pas Internet, c'est la combinaison d'Internet, des réseaux sociaux, très important aujourd'hui, Facebook, parce que si on ne peut plus faire confiance dans aucune institution, au moins on fait confiance à des amis qui publient des informations, qui font des choses, et donc les réseaux personnels sont très importants. Mais aussi, à côté de ça, les masses médias qui ont un pouvoir extraordinaire quand même au Mexique, et j'y reviendrai rapidement, une collusion entre les élites politiques, économiques et médiatiques, surtout au niveau des gouverneurs, des États, mais aussi un peu partout. Et puis à côté de ça, bien sûr, des médias alternatifs, entre guillemets, assez nouveaux sur Internet, mais aussi j'aimerais souligner toute l'importance des journalistes, des médias critiques au Mexique, des médias, je ne dirais pas de masse, mais on parlait du Proceso, de la Ronada, des radios, de nombreuses radios communautaires, des radios pirates un peu partout. Et j'aimerais souligner aussi que 43, sans doute qu'on comptera jusqu'à 43 tout à l'heure, si on pense aux étudiants dont toutes les photos sont, les portraits sont ici autour, mais 43, il se fait aussi par un funeste hasard que Ruben Espinosa, c'était le 43e journaliste tué au Mexique depuis 2010. Et donc là, on voit vraiment que le prix est assez haut parce que c'est quelque part la dernière ligne de la contre-démocratie, de ce contrôle qu'il y a du contrôle finalement des acteurs politiques qui est la clé de la démocratie et ce qu'il reste encore de la démocratie au Mexique. Et vraiment, je crois que les journalistes jouent un rôle essentiel là-dedans. Et journalistes ou médias activistes, en fait, tous, c'est vraiment cette bataille de l'information est centrale. Et dans les deux minutes qui me restent, j'aimerais souligner que c'est un problème du Mexique, mais aussi un problème global. Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui se voit plus clairement en Mexique, en fait, ça se passe aussi ici en Europe, mais dans beaucoup d'autres pays. Cette collusion entre les élites économiques, politiques et médiatiques, bien sûr, au Mexique, ça prend une proportion incroyable, mais on le voit aussi ici en France. Mais c'est aussi un problème. Mais l'international est aussi partie du problème et de la solution. Partie du problème, la drogue, c'est quand même avant tout un problème des États-Unis, plus que du Mexique, a priori. En tout cas, c'est eux qui la consomment. Les armes viennent des États-Unis, mais aussi de la France. Il faut quand même dire qu'on passe. S'il y avait un invité le 14 juillet, c'est aussi parce que le Mexique est devenu le deuxième client de la France en matière dans le secteur des armements. L'économie, l'ALENA n'est pas différente de ce qui se passe aussi. Et puis la plus morale, quand on invite un président mexicain le 14 juillet comme invité d'honneur, ça a un impact au Mexique. Et on sait que le Mexique est très sensible à l'image internationale. Heureusement, et là aussi, je pense que nous avons tous une responsabilité. L'international est aussi, ou pourrait être, partie de la solution, à plusieurs niveaux. Est en partie une partie de la solution. D'abord, l'image du Mexique, bien sûr, une pression internationale, mais qui tarde à venir quand même. Les parents des disparus vont voir le pape, essaient d'aller voir le pape, une autorité morale, mais aussi parce qu'Obama n'a pas bougé, enfin, pas beaucoup, presque pas. Et on voit que du côté de la diplomatie, ça n'a pas bougé beaucoup, et on a presque conduit à se remettre au pape, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'autres autorités. Et aussi, une chose qui m'a frappé, pallier aux limites, aux insuffisances, à la corruption des institutions mexicaines. On ne peut tellement plus croire aux institutions mexicaines que ce qui compte maintenant, c'est le rapport du groupe interdisciplinaire d'experts internationaux. C'est ça que la population mexicaine et les journalistes mexicains comme étrangers croient. Au point que le PAN, qui est quand même la partie du gouvernement, dit on va s'en remettre à l'ONU et à l'Organisation des États américains. C'est ce qu'ils ont proposé récemment. Vraiment pour dire qu'au niveau national, ce n'est pas la peine. Et donc là, il y a quand même l'international comme institution, faire confiance à quelqu'un. Et puis dans le monde des médias, c'est quand même essentiel. Et je pense vraiment que là, le travail des journalistes, je pense aussi que le travail des chercheurs est important à l'étranger, mais aussi très concrètement, c'est quand même les Américains, CNN, qui donnent encore aujourd'hui un espace à Aristegui. Il faut compter sur les Américains pour ça, c'est assez incroyable. Souligner le rôle aussi de journaux internationaux. Les Mexicains le savaient déjà, mais qui a donné un écho à cette affaire-là ? C'est une affaire, c'est Joe Tuchman. Joe Tuchman, du Guardian, qui en 2012, quelques semaines avant les élections, trouve le contrat dans lequel Enrique Peña Nieto a payé 50 millions de dollars, 500 millions de pesos à l'époque, pour son image, pour que Televisa s'occupe de lui donner une bonne image, en 2005-2006. Vu le cours des choses, on se dit que ça a continué depuis et que ça a pris un peu d'ampleur. Et je crois vraiment que diffuser l'information, en discuter,
C'est à la fois important pour la diffuser l'information ici, mais aussi parce que c'est un écho au Mexique. Et je crois que, j'aimerais souligner pour terminer, l'importance non seulement des journalistes, mais aussi d'associations comme Amnesty International, qui viennent publier un petit rapport là-dessus, qui, je cite juste une phrase. Hein. Je ne suis pas moi-même compétent dans ce domaine-là, donc je m'en remets tout à fait à Amnesty. Le gouvernement, dont l'enquête d'Ayotzina, pas le gouvernement, détourne l'enquête de toute piste intéressante. Au lieu de se pencher sur le rôle des militaires et des forces de l'ordre, qui étaient au courant de l'affaire d'Iguala, les autorités mexicaines soutiennent que les étudiants ont été tués par un gang de narcotrafiquants. Donc voilà une information d'Amnesty qui, a priori, a un peu plus de confiance que d'autres dans d'autres institutions au Mexique. Et puis aussi, je pense, Reporters sans frontières, qui est vraiment un rôle très important et qui, finalement, grâce à son écho international, permet encore à des journalistes de continuer à exercer leur métier si important au Mexique, parce qu'ils sont souvent quand même l'un des derniers remparts pour cette contre-démocratie si importante au Mexique. Merci. Nous avons maintenant un peu de temps avant d'écouter Omar Garcia. Nous avons un peu de temps pour des questions ici dans la salle, mais aussi des questions d'autres personnes qui nous suivent en ligne, donc notamment à TEPIC, l'Université autonome du Nayarit. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des petits commentaires. Je voudrais juste. Si ce sont des commentaires, d'être assez brefs, dans la mesure où on aura plus de temps pour les commentaires après l'intervention de Marc Garcia. Donc, on va peut-être prendre 2-3 questions. Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter au cas où quelqu'un ne peut pas te présenter. Moi, je suis de la Donc, je vais faire une petite position de monsieur. Et je crois que. Très fort pour eux. Mais est-ce que j'ai peur de m'exprimer en français parce que en français, je parle avec accent, j'écris en français sans la connaissance. Je ne sais pas si je peux m'exprimer bien, mais je crois que c'est un problème très complexe. Il faut de faire la vision de chacun côté pour faire l'analyse sur le monde. Une chose, c'est que le modèle de la démocratie participative et l'organisation politique traditionnelle que l'on se bat dans le pouvoir du Mexique en face à la démocratie représentative avec partis corporatifs dominés par les possédeurs et les associés au grand capital international. Ça se dit que ce gouvernement a mis c'est tout le bien à des organisations internationales. Comme la OECD, qui est présidée par un Mexicain, a déclaré au Mexique pays de premier monde, malgré toutes les mauvaises économies que nous avons. Donc, il y a des complicités politiques, il y a des complicités internationales, parce que la grande quantité de l'argent de la banque internationale s'est mis à la banque pour des activités. Comme un narcotrafic, des armes et tout est allongé. Je suis un peu plus que je dis en face de ça, parce que c'est très important de voir, c'est que vous avez parlé de corruption, mais corruption, népotisme, en espagnol, je ne sais comment ça se dit ici. Le même narcotrafic et le même problème de sécurité, ils sont des conséquences, conséquences du système politique. Donc, pour voir comment la conséquence a été mise comme le problème principal, c'est une analyse plus profonde. Parce que sinon, c'est facile à vous dire que les Mexicains, c'est le problème du Mexique. Les peuples, ce n'est pas le problème du Mexique. Le gouvernement, c'est le problème. Donc, une autre chose que je quisiera dire, c'est que bien dans l'université, il y a un groupe d'analyse la situation du Mexique, qui s'est précédée par Juan Ramón Jiménez de León, et on avait la originale reçu de l'information automatique, s'appelle Civic, en Polcos, vous pouvez voir cette information, comment a mis le problème de la criminalité organisée, le pouvoir économique, que c'est le premier moyen pour infiltrer le gouvernement. Les structures et faire de ça un problème structurel. Donc, c'est difficile à dire
parce que le problème de Joaquim, c'est comment ça a développé le narcotrafic au Mexique. Et nous parlons de l'état de Guerrero, mais de l'état de Guerrero a été mis dans une bataille après des années 50 pour la infiltration des agences des États-Unis, la CIA, entre autres, qui a changé le cultif de la marijuana pour le cultif de la marijuana. Et tout après de la guerre de Corée et tout après de la guerre en 1970, de la guerre en Vietnam, comme on était mêlé pour les États-Unis, le même cas, c'est la coca de Bolivia. Et Pérou, on était mis à Colombie. Colombie, en cette époque-là, il y a pas de cultifs de laboratoire. Maintenant, il faut aussi de diviser le problème de narcotrafic parce que des amphétamines et de toutes les choses qui sont fabriquées. Et c'est un problème qui vient aussi d'un autre côté. D'un autre côté, l'Afghanistan et aussi de la Chine. Donc, je crois que pour dire ça, de la violence a mis partout pour des agences internationales, pour la bataille dans le territoire des systèmes, de s'approprier de nos ressources naturelles, de l'exploitation minière, etc. Donc, je crois qu'il faut avoir cette vision-là. C'est très important. Merci beaucoup pour cette aussi perspective internationale également, qui est très importante. Est-ce qu'on compte deux ou trois réactions, questions, compris ceux qui sont à l'extérieur, si vous voulez. Oui. J'ai une question, vous avez bien évoqué l'influence de la culture dans les camps mexiques. En est-il de la spiritualité qui s'impose aussi, qui est grandissante au niveau de la religion, au niveau mexique, s'impose dans différentes mesures. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi entraîner la population mexicaine à aller plus facilement en tête de narcotrafic, en fait. Et ensuite, une autre question, concernant l'hyperviolence par rapport à la violence, M. vous avez dit que du coup, ce n'était pas forcément le problème d'avoir été par un joueur mexique. On voit quand même bien qu'il y a quand même une volonté d'avoir des narcotrafiquants d'imposer une hyperviolence et de terroriser les populations. On prend par exemple par rapport aux réseaux sociaux, on voit sur YouTube, il y a maintenant des vidéos de massacres de Mexicains, de journalistes mexicains. Je trouve que c'est pour cette violence qui est un petit peu magnifiée par une terreur constante sur la population. En fait. Je pense que c'est plutôt une volonté d'avoir dans tous les camps de garder cette violence intacte au niveau de la population. En fait. Donc, c'est pour ça que je veux savoir ce que vous en pensez. Et aussi, juste une question, concernant la lutte contre le narcotrafic, vous avez parlé un petit peu du rôle ambigu des États-Unis. Quel est le type de l'initiative américaine en fait ? Qu'est-ce que c'est suivi par rapport à la frontière mexicaine ? Question. Oui, monsieur. Merci beaucoup de votre intervention. On commence à essayer une conception assez continentale du problème de la drogue et de l'une économie parallèle, des problèmes de la criminalité et des problèmes de la discussion nationale et internationale. De ce point de vue, je pense pas que ça soit dans la même pays et des dossiers. C'était la Colombie au début, aujourd'hui c'est le Mexique. Hier, on a regardé un reportage en Argentine, le grand secteur Rosario où s'est installé et comment s'est installé déjà le cartel de la drogue. Mais aussi, on n'a pas, on ne va pas être mérissure en Europe, comment va se commence à circuler le blanchiment de l'argent de la drogue. On ne peut pas fermer les yeux si une grande partie des banques aujourd'hui travaillent cet argent de la drogue. Donc, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri un pays, malheureusement, l'Amérique latine a été touchée parce que, au niveau politique de corruption, au niveau de contrôle de part des forces internationales, au niveau del capitalismo que controla. Efectivamente, hoy en día tenemos una nueva concepción y hoy en día la globalización permite todo ese tipo de cosas. En un malo yo creo que la situación actual de México, que cuando la gente que se de exprimir un besoin, se doit son prix en función de
de démontrer un petit peu, entre guillemets, qu'ils sont forts. On peut cacher les crises. Je suis chilien, je sais qu'au Chili, ça passait la même chose, d'une autre manière, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin que les pays. Je pense que malheureusement, on est dans la situation continentale. Malheureusement. On attend qu'un jour, les mouvements sociaux, politiques, peuvent réagir en fonction de ça. Merci, donc, merci pour ces questions. Je vais demander à Gilles Bataillon de commencer à répondre. Bon, sur trois points. D'abord, deux histoires récurrentes sur lesquelles je pense qu'il faut quand même être assez clair. Le capitalisme international et la CIA. Quel est le plus gros investisseur au niveau latino-américain aujourd'hui et quel est le plus gros acheteur de matières premières ? C'est la Chine. La Chine est devenue un pays qui combine les pires traits d'un système totalitaire, sans plus de terreur de masse avec une terreur sélective extrêmement fonctionnelle, et les pires aspects du capitalisme. Si Engels faisait une enquête, non pas à Manchester, mais écrivait un livre qui s'appellerait « La situation laborieuse des classes ouvrières en Chine », il ne serait pas déçu du voyage. À mon avis, c'est égal ou pire à ce qu'on avait à Manchester. Première chose qu'il faut regarder aujourd'hui. La puissance dominante du point de vue de l'économie en Amérique latine, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Ça, il est peut-être temps de s'en rendre compte. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de tendresse par rapport à ça, qui est Maristella Swampa, qui a fait des choses, des études récentes très solides là-dessus. Il y en a une qu'on va publier en français dans PAL, le problème d'Amérique latine. Deuxième chose sur l'histoire de la CIA et des services secrets. Que les services secrets divers et variés aient trempé dans les histoires de trafic de drogue et les utiliser pour financer des opérations en échappant à des contrôles législatifs dans les pays où ils existent ou trouver plus d'argent dans les pays où ils n'existent pas, je pense à Cuba, je pense aux États-Unis de l'autre côté ou la France en Indochine à certaines époques, c'est évident. Mais ces gens sont montés sur des phénomènes qui existaient. Ils ne les ont pas créés, ils s'en sont servis, ils les ont instrumentalisés, mais ils ne sont pas à l'origine de ces choses-là. Ils les ont accentués, ils sont montés dessus comme on monte sur un cheval qui passe, on vole une voiture qui est là avec les clés et le plein, mais on est dans autre chose, je pense. Et ça, autant c'est important de voir ça, autant il faut aussi raison garder par rapport à ça. Sur l'histoire de la Santa Muerte, je ne crois, disons, c'est un phénomène presque anecdotique, c'est-à-dire vous allez avoir des anthropologues qui vont vous dire c'est un phénomène majeur et il faut absolument focaliser là-dessus. C'est des formes de piété populaire avec des choses qui ressemblent à de la magie noire et si vous regardez l'histoire de la piété populaire au Mexique, et des rituels magiques, il y en a eu des tas, et là, c'en est certain. Alors, c'est des images assez fantastiques. Et disons, quand on voit les autels de la Santa Muerte, ça fait frémir tout le monde. En même temps, je pense que là encore, il faut raison garder. Et un dernier point sur la démocratie que j'aurais dû faire au départ, il me semble que le Mexique est dans une situation extrêmement étrange par rapport à la démocratie. C'est-à-dire, pour prendre des définitions de politiste que je ne suis pas, on regarde la séparation des pouvoirs. Or, cette séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires n'existe pas dans les faits au Mexique, même si elle existe en principe dans les textes et dans les codes, mais dans les faits, ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que la démocratie représentative suppose deux choses qui n'existent pas au Mexique. C'est une liberté d'association politique et aussi une liberté d'association syndicale. Disons, une des grandes avancées, il y a deux dates majeures dans l'histoire du suffrage universel masculin en France, c'est 1848, l'octroi du suffrage universel aux hommes, à la moitié de la population, mais c'est aussi la loi de 1901 qui permet de créer des associations. Or, au Mexique, vous êtes dans une situation où cette liberté d'association n'existe pas. C'est-à-dire que pour créer un parti, vous êtes obligé d'avoir un autre parti qui vous soutient
Et comme il y a un système de non-réélection et en même temps d'interdiction de créer des partis, vous avez des bureaucraties qui contrôlent les trois grands partis et le quatrième, le parti Bonsaï, qui est le parti vert, et qui distribuent des places aux gens qui suivent la ligne. Et ceux qui ne suivent pas la ligne, ils sont exclus du système. Dans un pays avec une démocratie aussi problématique à certains moments que la France, si vous avez un maire d'une grande ville qui est en rupture de parti, que ce soit les Républicains, le PS ou un autre, il peut constituer son propre parti et se relancer dans une campagne politique en s'appuyant sur des bases locales. Au Mexique, ce n'est pas possible. Et quand quelqu'un qu'on peut trouver discutable, comme Castaneda, a voulu lancer une candidature indépendante au Mexique, il ne l'a pas pu. Et ça, c'est une entrave extrêmement sérieuse au système parlementaire mexicain, et c'est en ça qu'on peut parler d'une démocratie pour le moins tronquée. Merci. Jean-Louis Delon. Alors ça, ce n'est plus complètement valable, parce que maintenant, depuis 2 ans, il peut y avoir des candidatures indépendantes au Mexique. On a un nouveau gouverneur, par exemple, dans le Nuevo León, là, depuis les dernières élections, qui est assez atypique. Il n'empêche que le système, effectivement, s'auto-reproduit, il a tendance à le faire, puisque toutes ces élites sont complices pour conserver leur rente de pouvoir. Alors, je voulais vous dire qu'effectivement, il y a des complicités internationales. Moi, le rôle des services secrets, je n'en dis qu'on ne vient pas. Les services secrets aident certains groupes sociaux à faire dans l'illégalité ou même dans la criminalité. Ça, c'est une chose qui s'est avérée au Mexique lorsque la CIA est intervenue directement pour aider le cartel de Guadalajara, par exemple, et trouver de l'argent pour pouvoir alimenter les contras du Nicaragua. Cependant, moi, ce qui m'embête le plus dans ces histoires, c'est le blanchiment de l'argent de la drogue. Parce que c'est là le nœud du problème, en fait. La drogue produit énormément d'argent, trop d'argent, tellement d'argent que les narcotrafiquants ne savent pas qu'en faire. Ils ont donc besoin d'appui pour blanchir leurs bénéfices. 2 sortes d'appui. 1, des prête-noms qui vont honorables, respectables, qui vont leur permettre de verser l'argent dans les banques. Et ce sont des gens à qui on ne demande aucun compte. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, on ne sait pas combien gagne un gouverneur. On n'a jamais eu accès aux comptes bancaires des ministres, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui gagnent, qui ont tout l'argent du monde. Et qui vont donc servir à blanchir une partie des bénéfices de la drogue. C'est ce qu'on appelle le blanchiment institutionnel des bénéfices. Deuxième institution clave, ce sont les paradis fiscaux. Parce qu'on ne va pas blanchir directement dans une banque. On va utiliser le paradis fiscal où la banque a une boîte aux lettres pour pouvoir blanchir les bénéfices illégaux qu'on a produits. On peut très facilement lutter contre ça. Il suffit qu'il y ait une loi au niveau international, décidée par l'ONU, même par l'OCDE, tout simplement, qui dise
qui impose aux grandes banques internationales de ne plus utiliser les paradis fiscaux sous peine de perdre leur licence. Hein? C'est très facile. On ne fera jamais. Pourquoi ? Parce que non seulement les narcotrafiquants utilisent les paradis fiscaux, mais les plus grandes multinationales du monde ont besoin des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts dans leur pays d'origine. L'habileté des narcotrafiquants va consister à mélanger leur argent d'origine illégale, criminelle, avec l'argent légal, si je puis dire, les bénéfices légaux des multinationales dans les paradis fiscaux. Et troisième source de revenus des paradis fiscaux, c'est la corruption institutionnelle. Les bénéfices de la corruption institutionnelle vont servir, par exemple, aux politiciens mexicains pour pouvoir s'acheter une maison à Miami. Donc là, pour moi, c'est là le vrai problème, si vous voulez, dans les paradis fiscaux. Alors, deuxième remarque. Je voudrais quand même rétablir, on n'a pas donné des médailles au président mexicain lorsqu'il est venu en France cet été. La France a reconnu le Mexique, a voulu valoriser le Mexique à travers son président, mais ce n'est pas lui qu'on... c'était le président pour rétablir une situation normale, des relations normales avec le pays, qui avait été fortement détérioré par la paranoïa du président français précédent. C'est pas, on avait presque déclaré la guerre au Mexique. Alors, tout ça, ça va dans un processus qui est clair à l'heure actuelle. Le monde a besoin d'ennemis. Les communistes ne peuvent plus servir d'ennemis, c'est fini. On a deux ennemis, qui sont des boucs émissaires, c'est les islamistes et les mexicains. Avant c'était les colombiens, maintenant ce sont les mexicains. Tous les mexicains qui voyagent sont potentiellement des trafiquants de drogue. Bienvenue à Paris. Donc, là, on a, pour répondre à la question, c'est un peu le même problème avec la violence. Je sais bien que la violence est insupportable, et notamment cette violence incontrôlée. Je ne la nie pas. Ce que je dis, c'est que c'est la partie immergée de l'iceberg, comme on disait tout à l'heure, la violence, le problème de la violence. Le problème n'est pas dans la violence, il est dans le système politique local, national, et dans le système politique international qui cautionne ces choses-là. Les narcotrafiquants qui mettent en scène leur violence sont exactement, utilisent exactement la même méthode que les islamistes qui filment la décapitation de leurs victimes. Il faut qu'on parle d'eux. Il n'y a pas de limite dans la cruauté, parce que la cruauté permet de faire valoir, pour le bien ou pour le mal, mais on fait valoir. Hein? On existe à partir du moment où on est cruel. Et plus on sera cruel, plus on existera. Hein? Non. Ça, c'est une chose qui me semble très importante. Alors, maintenant, moi, je ne suis pas complotiste. Hein? Je ne vais pas voir des complots partout. Je pense que ça n'aide pas à analyser la réalité. Il faut analyser les phénomènes sociaux et les phénomènes politiques. Par exemple, au Mexique, il est clair que les narcotrafiquants sont considérés comme des entrepreneurs. Hein? Ce sont des entrepreneurs illégaux, criminels, mais ce sont des entrepreneurs dans la mesure où ils permettent de fournir du travail à une main-d'œuvre qui, sans cela, n'en aurait pas. Ils permettent de
faire de la redistribution, non ? C'est ce qui fait qu'ils ont une légitimité sociale. Et le problème, c'est qu'auparavant, jusqu'en 2007, c'est pas, 2007, c'est la date charnière. Hein, depuis les années 80 jusqu'à 1994, les narcotrafiquants se sont développés sous le contrôle du pouvoir politique. À partir de 1994, je le répète, le pouvoir politique fédéral s'est retiré de ce contrôle. Les narcotrafiquants se sont fragmentés en différents cartels, alors qu'auparavant il n'y en avait qu'un, qui s'appelait le cartel de Guadalajara, et ils ont commencé à se faire la guerre entre eux. Le pacte, c'était « vous pouvez vous faire la guerre entre vous, vous pouvez vous entretuer, mais ça ne doit pas déborder sur la société civile ». Ce pacte a été rompu en 2007, parce qu'en 2007, le président Calderón, sous l'instigation, là vous avez raison, des États-Unis, a décidé de faire la guerre aux narcotrafiquants. Les Américains ont raisonné comme des Américains, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce qu'on a fait en Colombie, on va le faire au Mexique, mis à part que ce n'est pas possible, parce que le système politique colombien, ce n'est pas du tout le même que le système politique mexicain. Il n'y a pas de prix en Colombie, n'est-ce pas ? Le Mexique ne fonctionne pas la même. Donc, les effets n'ont pas été les mêmes et il y a eu, au contraire, un délitement des institutions et un accroissement de la violence qui ont fait que, justement, maintenant, on est dans une situation incontrôlée. Alors, et on est dans une situation incontrôlée qui produit Iguala, mais également qui produit le fait que les militaires eux-mêmes pratiquent une justice extrajudiciaire et assassinent les petits dealers qui sont dans la rue. C'est facile d'assassiner le petit dealer qui est dans la rue. C'est celui qu'on voit le premier. Donc on va le torturer pour qu'il dise quel est son commanditaire. Et puis on le torture tellement qu'on le tue et on ne sait plus quoi en faire. Donc on le met dans un trou et on ne le revoit jamais. C'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, en fait, on me dit qu'il y a Omar Garcia qui sera occupé ensuite, on va l'avoir en direct maintenant. On va reprendre la discussion juste après. Ou demain. Merci pour ces commentaires. Et 30 secondes de plus pour conclure, mais après on passera. Et donc, on va essayer de régler les problèmes, donc avec problèmes techniques, mais je crois qu'après ça va bien fonctionner. Voilà. Avec Omar Garcia, donc ils sont presque réglés là. J'en profite pour signaler une autre conférence donc sur le un thème assez proche, impunité et déstabilisation politique. Regard sur la situation en Amérique centrale. Donc le thème est un peu plus bas. Mardi 29 septembre, donc mardi prochain, à 21h à la Maison de l'Amérique latine, notamment avec Hélène Roux qui est en train de rentrer du Guatemala en cet instant. Voilà. Donc et j'espère que on pourra maintenant entendre Omar Garcia, donc qui parle en espagnol, depuis le Socalo. Je ne sais pas. Si. Pues estamos aquí en el plantón de los padres de familia. Sí, te escuchamos. Son 43 horas de ayuno, terminan ya dentro de... Ah, pues ya estoy hablando, carajo. Dale. No, pues. Omar, te van a traducir, entonces si puedes hacer frases cortas para que te traduzcan. No hay pregunta. ¿Te necesita? No. ¿Quién no entiende español? Es que usted no comprende para el español. ¿Es necesario? No, no.
C'est en direct de Socalo, pour ceux qui ne connaissent pas. Ya está Omar, nosotros sí te escuchamos. No hay necesidad de traducción. Tú ya habla, tú di lo que quieras decir y cuando haya preguntas le pediremos a la gente que hable fuerte. Pues como les digo, estamos acá en el cantón que se estableció. Es un ayuno de reparto de 43 horas. Hay muchas personas, pues cómo decirle, no puedo ir por allá porque está mucho el ruido y entonces no van a escuchar nada. Por eso mejor me ir acá a rinconar un poco. Pero bueno, pues aquí están los padres, aquí estamos nosotros. Queremos decirles algo importante, ayer tuvimos una reunión con Peña Nieto, pero pues sin llegar a ningún acuerdo. El tipo no se atrevió a firmar ninguno de los acuerdos. Se mostró de manera muy insensible, muy estúpida, desde nuestro punto de vista, y pues anunciando que el caso definitivamente, pues ya no, o sea, debe terminarse. Ellos siguen aferrados al rastrero de Cocula. Los padres están muy molestos, estamos muy decepcionados del gobierno mexicano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, te van a hacer preguntas, ¿va? Si han sufrido represión ahorita. ¿Quién? Ustedes, en el plantón. Sí, claro. No, aquí no, en el plantón no, pero tío, sí, ayer hubo enfrentamientos con la policía. Y pues, ¿cómo decir? A ver, les voy a mostrar un poquito el plantón, a ver, por lo menos lo ven, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí los compas de la Sexta. Compas de la Sexta aquí, la Oveja Negra, ¿eh? Pústalo. Estoy en una entrevista, discúlpame. Por eso les decía que no. Il n'y a pas quelque chose à dire particulier ou il n'y a pas quelque chose à dire particulier ou il n'y a pas un truc à dire. Je demande s'il veut dire quelque chose, et sinon, parce que pour la petite Socalo, c'est pas la peine. On va voir si on va continuer à visiter. Socalo, est-ce que vous avez des questions particulières à Omar? Oui, il y a une question là-bas. ¿Qué pasa de quién? ¿De quién fue el acuerdo? ¿Qué acuerdos eran los que tenían que firmar? ¿Qué no firmó? Preguntas a mi iniciativa de quién fue el encuentro con Peña Nieto y qué acuerdos eran los que ustedes tenían que firmar y no firmó. Pues había 8 acuerdos fundamentales. Uno de ellos es que los expertos se quieren de manera indefinida. Otro es que pues se abrieran 2 unidades especializadas para continuar la investigación y la búsqueda. Y otro más para aplicar responsabilidades a los que armaron el teatro de la versión de la pasarela de Cúpula. ¿Y qué iniciativa de quién fue esta reunión? ¿De los padres o del gobierno? ¿Cómo?
a iniciativa de quién fue esta reunión, si de los padres, de familia o del gobierno. No, obviamente ese movimiento siempre hemos sido, ¿no?, la iniciativa. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Dijo que el gobierno antiguo cerraba a la luz de lo que se controla en el pastoreo de cocina. ¿Cuáles son las investigaciones que siguen haciendo los padres por su cuenta? Que comentaste que el gobierno sigue cerrado a defender esta verdad histórica de la prevención en Cocula, y cuáles son las medidas que siguen haciendo los padres. Pero las investigaciones que las investigaciones están haciendo los padres por su cuenta. Pues los padres que sí no están haciendo ninguna investigación, son los expertos de la Comisión Interamericana, son los peritos argentinos, es toda la gente. Quelques problèmes techniques et pareil, je crois qu'on va avoir aussi une autre intervention ensuite. Donc, je pensais que j'allais vous expliquer un peu la situation, mais apparemment il y a eu quelques malentendus là. Donc voilà, je ne sais pas si on aura d'autres questions, mais je propose qu'on revienne aussi à la discussion antérieure en profitant de la présence de Gilles Bataillon et Jean. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on fait, on recommence ça ou on... Soit vous avez, disons, la liaison est difficile, soit vous avez des questions, il faut les préparer pour qu'ils puissent y répondre, soit on va avoir un joyeux cafarnaum avec des liaisons coupées. Yo creo que hemos hecho mucho en este año, no lo hemos hecho, pues bien, la gente ha estado, la gente está sumándose al movimiento, identificando en este problema, un problema serio, que con nosotros un problema tiene que solucionarse, lamentablemente el Estado mexicano pues no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo, entonces no queda más que pues, intentar resolver el problema nosotros como sociedad, pueblo responder. No queda otra. Mañana ojalá lleguen acciones allá, sigan civilizándose, esto no va a terminar mañana. Si cumple un año, mientras nuestros compañeros no estén con nosotros, mientras no sepamos qué pasó, toda la familia está dispuesta a continuar. Y gracias por escucharme. Gracias, Omar. Gracias a ti. Gracias. Bon. Propongo que... Muchas gracias. Je pense qu'il est toujours important en fait aussi ici d'avoir un peu l'ambiance à Mexico. Et aussi en général, je pense que bon, aujourd'hui hein, on est un peu différent, mais en général, plusieurs entretiens d'Omar en général sont caractérisés par une grande réflexivité par rapport au mouvement et d'autres aspects. C'est vraiment important d'articuler les discours des acteurs, des chercheurs et de différentes perspectives. Bon, il nous reste encore un peu de temps, mais on va surtout demander s'il y a quelqu'un du collectif Paris Ayotzinapa qui est le co-organisateur de cette réunion, mais aussi qui sont très actifs en général pour diffuser cette information, qui font vraiment un travail très important ici à Paris. Et donc, voilà, qui va dire quelques mots. Je vais essayer de tourner la caméra, qui vient un peu plus de ce côté-ci pour entendre bien. Bon, principalement, je voudrais vous inviter parce que, bien sûr, demain, c'est le jour anniversaire. Et en association avec bon, des individus, des associations, des collectifs très actifs à Paris, nous ne sommes pas les seuls. Il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup. Il faudrait se rapprocher parce qu'il y a pas mal de groupes qui sont en train de lutter pour cette même cause. Et demain, on a organisé ensemble une manifestation qui va partir de la Fontaine des Innocents. Près du consulat du Mexique, la police ne nous a pas donné l'autorisation cette année. C'est la première fois qu'on ne nous laisse pas nous aller, même un peu à côté du consulat. Mais bon, on va essayer. Et après cette manifestation, il y aura une soirée de commémoration. C'est une soirée pour collecter des fonds pour les étudiants. En général, on était en train de beaucoup aider les parents, mais là, on voudrait aider la cause des étudiants parce que c'est eux qui soutiennent la lutte. Donc, vous êtes tous
cordialement invités aux deux événements. Donc, le premier, c'est à 15h, Fontaine des Innocents. Et le second, c'est à 19h, 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e arrondissement. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'était super de vous entendre en tant que Français. Pour moi, je m'émerveille toujours de cet intérêt, de ce regard. Pour nous, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Une autre chose, vous avez sur Facebook la page de collectif, collectivo.alexinapa, dans laquelle vous allez trouver ce flyer avec toutes les activités, parce qu'il y a, il y a plusieurs activités qui vont se dérouler à partir de aujourd'hui jusqu'à 2 octobre. Donc allez-y voir, renseignez-vous, participez. Oui, peut-être. Il y a une autre chose qui peut vous intéresser aussi, c'est que lundi, il y aura une conférence d'une personne qui vient de Tchéran, que c'est un village qui… C'est la première autodéfense. Oui, c'est la première autodéfense et qui est en train de vraiment faire un essai d'autogouvernement. Et donc, un membre de Tchéran va nous donner une conférence lundi. Je ne me rappelle plus l'heure, mais vous pouvez regarder toutes les activités. C'est aussi au CICP, lundi. Vatien Terre, le Voltaire aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, ce comité. Donc, on a encore quelques instants pour des questions, des commentaires, des interventions de la salle. Oui. Bonjour, bon, c'est Bardo, je suis doctorant en sciences politiques. D'abord, je pense qu'on a oublié le contexte de Guerrero, parce qu'on a parlé du Mexique, le narcotrafic au Mexique. Mais si on revient au Guerrero, cette situation s'est déjà passée dans les années 60. À l'époque, en fait, il y avait la guerre sucia contre Genaro Vázquez et Lucio Cabañas, qui eux-mêmes étaient aussi issus de l'école d'Ayotzinapa. Donc moi, je me demande, bon, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'est qui les a montré? Parce que je ne crois pas la version de l'État où c'était un maire fou ou corrompu et sa femme folle. Il faut vraiment savoir, parce que je pense que dans un échiquier politique, eux deux, ils étaient des pions. Il faut découvrir qui sont les rois, la reine et les tours, ok? Déjà, deuxièmement, je me demande qu'est-ce qu'il va falloir à l'État mexicain s'y établir une cour à part, parce que les disparus de la guerre sociale, on n'en sait rien. Personne ne sait rien. Ça fait 60 ans, c'est déjà presque 50 ans que c'est déjà passé, et on ne sait pas où sont passées 600 victimes. 600 victimes. Okay, l'armée, au Mexique, elle est fermée, elle ne parle pas. Apparemment, je ne me souviens pas qui a dit que Aristegui avait un espace chez CNN, mais bon, je suis quotidiennement. Et je viens d'entretien dans lesquels ils ont dit que l'armée elle était trop fermée par rapport à ça et qu'elle ne donnait pas des entretiens aux enquêteurs internationaux. Voilà. On demande, le gouvernement dit oui, mais apparemment l'armée elle est fermée. Elle dit bah, demandez les questions par Internet et on va vous répondre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est déjà passé et rien n'est passé, 500 disparus pendant la guerre sociale. Nasser Al-Kharouk, qui était notamment le colonel qui dirigeait ces opérations de la division fédérale de Seguridad, il est mort dans l'impunité totale. Donc je pense que cette situation, ça va se passer pareil. D'ailleurs, le comité Paris Ayotzinapa a organisé une protection il y a le 14 juillet à ce propos. Je voudrais répondre très, très précisément à ça. La métaphore du jeu d'échecs, je n'y crois pas tant qu'on n'a pas identifié les gens. Et l'idée que des gens, passez-moi l'expression, soient des abrutis complets et fassent des gestes déments, c'est quand même courant en matière sociale et historique. C'est-à-dire que des gens se croient tout puissants et pensent qu'on peut assassiner impunément des gens, c'est malheureusement assez courant. Et disons, au Mexique, on a d'autres exemples de ça. Et qu'ils aient une attitude qu'on juge irrationnelle, c'est courant. Et qu'il y ait au besoin des gens derrière, pourquoi pas? Mais reste à savoir comment et avoir des débuts de preuve. Et là-dessus, sur les 600 victimes et les histoires archivées, moi, je voudrais quand même faire la remarque suivante qui n'est pas sympathique. Mais quand Fox, qui était ce qu'il était,
a ouvert des archives qui avaient été, pour une part, toilettées. Ce qui est très impressionnant, c'est que les historiens mexicains et les autres spécialistes de ces moments historiques ne se sont pas rués sur les archives pour faire un travail systématique et massif. Il y a d'excellents colonialistes au Mexique, et ces colonialistes, si les choses les intéressent, ils auraient pu aller travailler sur ces archives. Il me semble, parce que pour ma part, je fais ça à l'échelle micro-historique en Amérique centrale, que quand on veut savoir, quand on fait des enquêtes in situ et qu'on prend du temps, on trouve toujours des choses. Et que, disons, il y a un monsieur qui a eu un certain renom dans l'université française, qui était un antiquisant, qui était Pierre Vidal-Naquet. Il y a eu un mathématicien du Parti communiste qui a été enlevé par les parachutistes à Alger à la fin des années 50, au début des années 60, je ne me souviens plus, je m'en excuse. Et il a reconstitué ce qui s'était passé en lisant les témoignages des militaires et en allant interviewer un certain nombre de gens. Et ce travail est tout à fait possible dans le cas de Ayotzinapa, mais aussi dans l'histoire de la Guerra Sucia dans le Guerrero. Ça veut dire qu'on prend du temps et qu'on va enquêter là-dessus. Mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et ce qui est effectivement, pour ma part, assez étonnant là-dessus, c'est comment aussi peu de gens s'y sont mis. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde intellectuel mexicain et dans le monde intellectuel des latino-américanistes, on a des thèses sur savoir si le PRD est un parti attrape-tout ou pas, ou sur la reconstitution de l'identité dans Pale Bled, très bien, mais des choses sérieuses sur ce qui se passe réellement, eh ben, elles sont pour une part moins nombreuses. Alors effectivement, c'est moins élégant, il n'y a pas des grands discours sur la méthodologie, mais c'est peut-être de ça dont on a besoin. Et disons là, il y a effectivement, pour une part, une faille des sciences sociales au Mexique, mais aussi dans le milieu des mexicanistes. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment il y a un certain nombre de bonnes enquêtes qui ont été faites, je pense, par des... Il y a un Mexicain installé à l'Université de New York qui fait des très bonnes enquêtes sur la violence au long cours, ou de la même façon, il y a un Hollandais qui a fait ça sur la violence récente, et c'est des choses qui sont absolument possibles. Et tout le monde peut s'inscrire en disant, voilà, je fais une thèse en sciences politiques ou en sociologie sur la guerra sucia entre 1960 et 1974 dans l'état du Guerrero ou autre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui le fassent. Il y a peut-être des candidats dans la salle. Excusez-moi, on va d'abord laisser Jean-Louis répondre et puis on se voulait aussi réagir. Dans ce cas. Il y a une question ici, aussi, oui. On va regrouper les deux, trois questions là-bas. Une, deux et trois. Donc, je mettais un peu que, aussi bien vous, sur le fait que vous, je ne sais pas si c'est une façon naïve de vouloir penser qu'il y a, que les institutions n'ont pas à voir avec le système qui est celui du système capitalisme en place. Vous, vous l'avez pourtant bien indiqué, puisque vous donnez 1994 comme une date charnière, qui est celle de la plantation de la caisse, c'est-à-dire de vraiment, là, le fait de faire entrer le Mexique dans le système capitaliste de façon à ce qu'il ne sorte pas. Quoi. Et donc, de, curieusement que ce soit à ce moment-là, et puis qu'on puisse dire que bon, ce sont par exemple les gouverneurs qui sont responsables, et de ne pas voir que c'est une relation avec le système lui-même qui est mis en place, au Mexique, principalement parce que c'est une pièce importante comme de l'Amérique latine, surtout dans un contexte où, malgré tout, il y a d'autres pays qui échappent un petit peu de façon plus ou moins variable au pouvoir des États-Unis. Donc, même sans parler de complot, vous voulez, c'est pas une question de théorie du complot, c'est une question de théorie de, que ce soit la Chine ou les États-Unis, d'un système capitaliste qui, lui, doit s'implanter le plus largement possible. Et donc, penser que le narcotrafic, de continuer à disjoindre le narcotrafic des institutions et de ne pas vouloir croire que c'est les institutions qui peut-être ont produit ce narcotrafic. Elle a saisi de le faire pendant un quart d'heure chacun. C'est mal fait comprendre, mais c'est ce qu'on a dit un quart d'heure chacun. On dit exactement ça.
Donc vous avez raison. Il n'y a pas un système sans des acteurs. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a le système capitaliste qui veut que, je m'excuse de ma grossièreté, mais le système capitaliste, la tuerie d'Ayotzinapa, pas, elle n'est absolument pas fonctionnelle pour lui. Et mais disons, si j'ai le système du 2 octobre, vous ne pouvez pas ici être fonctionnel parce qu'elle ne rentre pas. Justement, ce n'est pas, quelque chose que vous dites, les gens sont fous, enfin, peu importe. Est-ce que vous dites, il y a aussi. Mais le 2 octobre, c'est pas non plus. Ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi, une autonomie d'un système politique et qui a sa marge qui est séparée des impératifs du système capitaliste international. La preuve, c'est que le système capitaliste international s'accommode parfaitement du système totalitaire chinois et réciproquement. Parce que c'est un système capitaliste. Dire que le système capitaliste n'est pas totalitaire. Bon, on va passer. Donc, il y avait trois questions là. Allez-y. Okay. Merci. En revanche, on a annoncé qu'on avait dit que ce qui se passe ici, un an après l'événement de l'année dernière, ça ne semble absolument rien dire. Alors on avait dit à cette époque-là, on a dit que ça fait il y avait un choc dans la société mexicaine qui était provoqué, qui a suscité des, je ne parlerai pas ça de la manifestation, mais des tentatives d'expression de son indignation, etc. Et qui a recouvert le Mexique en entier. Et on a l'impression maintenant, en vous entendant parler, que rien n'a changé. Ces manifestations sociales, ces expressions sociales, ces résistances, tout ce qui est affiché là, c'est des choses ici, au Mexique. Mais oui, c'est des espérants, finalement. Et toi, ouais. Jean, tu es revenu assez souvent sur le fait que les cartels sont considérés comme, presque comme légitimes, mais est-ce qu'il y a eu véritablement un choc dans la société civile, dans la société mexicaine, depuis l'année dernière, ou rien? Je peux disposer de ça très bien, c'est identique. Ce sont des questions vraiment importantes. On va essayer de les regrouper avec les deux autres qui étaient là. Donc, et puis madame. C'était simplement une remarque. C'est par rapport à ce que vous disiez sur la guerre associée à l'occupation des archives qui effectivement a eu lieu et à ce moment-là, et que vous vous interrogez sur le thème de pourquoi il n'y avait pas tellement de structures qui avaient été voir un film. Et c'était simplement pour souligner que ici, on peut voir un film qui s'appelle Le crime de Zachary Barreto, qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Ludovic Bonjour, qui traite précisément ce problème-là, et du problème, justement, de qu'est-ce qui a suivi l'ouverture des enquêtes. C'est-à-dire que Zachary Barrientos, en gros, ça a été un délateur, ça a été quelqu'un qui a donné des gens, et qui avait pu tranquillement, pendant des années, oublier au-dessus de tout son village, tout le monde savait que c'était un délateur, mais à partir du moment où il a accepté de parler de cette époque-là, eh bien, il a été assassiné. C'était simplement une petite réponse sur les interrogations, je pense que... Si vous voulez, désolé, mais c'est très important. On va y répondre juste après l'intervention de monsieur. Il se produit trois choses. Il y a trois conséquences de mouvement de la première de l'Ayotzinapa, c'est la mobilisation sociale généralisée. Et le deuxième, c'est la bataille pour l'information et contre la loi d'interdiction de la consultation des archives. Et il y a 30 ans pour consulter cet archive-là, on était libéré. Et plus sûr des archives maintenant jusqu'en 1971. Et aussi, la troisième, c'est qu'il y a tout le mouvement à gauche aussi, avec des dénonciations de toutes les personnes qui ont été victimes de la disparition forcée et qui ont uni ce mouvement-là en tant que rôle noir, après le niveau d'information, ont été frappés. Parce qu'on sort le crime en Allende, en Coahuila, en Villa de San Marcos, Chihuahua, en Veracruz, en Tabasco, il y a presque 15,000 morts déjà que l'on était découvert juste après le mouvement de Ayotzinapa. Il y a toute une conscience, je crois que c'est une très forte que nous pouvons dire sur le sujet,
ici que c'est toute une bataille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été assassinées. Mais aussi, de façon que nous sommes dehors du Mexique, nous avons souffert, de harceler, parce que moi-même, après les 3 ans et demi, je peux. Je ne vais pas parler parce que je me demandais l'aide des institutions qui viennent pour croire dans le pays. C'est incroyable. Donc, je crois que c'est une fois pour la conséquence. Et je souffre cette conséquence directement parce que maintenant, je suis illégal, je ne peux pas travailler et il n'y a pas de statut défini pour moi. C'est bizarre, non? Un pays démocratique. Merci, c'est une nombreuse information très synthétique et importante. Une toute dernière question, on va redonner la parole à Jean-Yves Lejoin et du bataillon. Oui. No hablo francés. Ah, en espagnol, está muy bien. Se habló sobre las instituciones, y creo que es algo que hay que cuestionar, porque son las que la sociedad está basada en la institución, y aquí surge un paradigma. Porque es la sociedad a partir de las instituciones, pero si en México las instituciones son corruptas, creo que hay que repensar un nuevo ordenamiento social, porque no es por nada que surge el zapatismo, ni que surgen las autodefensas en Chirán. Entonces, creo que es una cosa importante generar este nuevo ordenamiento social. La pregunta sería, ¿cómo? Muy bien, muy bien. Muy buen comentario. Je crois que, effectivement, ça pose un problème. Parce que nous avons d'une part des représentants politiques qui ne représentent plus ou qui représentent mal. Nous avons d'autre part des institutions qui fonctionnent pour leur propre reproduction et dans le sens des intérêts privés de leurs dirigeants. Il y a un troisième niveau qui est censé compenser les deux premiers, c'est celui de la société civile. Bon, une fois qu'on dit société civile, c'est le mot magique, hein, mais la société civile, pour fonctionner, il faut qu'elle soit organisée, n'est-ce pas? Il y a des mobilisations. Le zapatisme a été une forme de mobilisation très importante au Mexique. Tu parlais tout à l'heure du mouvement social de Javier, impulsé par Javier Sicilia. C'était un mouvement social très important, avec des manifestations énormes, on a fait le tour du pays, etc. Bon. Ce qui est étonnant, c'est la capacité d'adaptation du système. Le système peut très bien continuer à fonctionner de la même manière, tout en intégrant ces mobilisations et ces formes de contestation sociale. Ça ne change rien. Hein? Ça va s'essouffler et on va passer à un autre chapitre. Bon, on est en train d'entretenir la mémoire des disparus. On va laisser faire. Le peuple va décrocher petit à petit. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que le peuple mexicain est plus bête qu'un autre? Je ne pense pas. Je pense qu'il est très difficile au Mexique, de s'organiser sous la forme d'un contre-pouvoir légitime. Parce que tu parlais de la presse, par exemple, tout à l'heure. C'est bien la presse au Mexique, Proceso, c'est bien, mais la presse mexicaine est en train de souffrir à l'heure actuelle de son autocensure. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut dire. Les journalistes ne peuvent pas faire leur boulot à tel point qu'ils ne veulent plus le faire, sous peine de se voir assassiner. Il n'y a pas de justice indépendante. Alors, s'il n'y a pas de justice indépendante,
ça veut dire qu'il y a une impunité totale, n'est-ce pas? Donc, les institutions ne fonctionnent plus. Et il n'y a pas de parti d'alternative. L'alternance fonctionne, mais il n'y a pas de parti d'alternative, style Podemos ou Syrie, ça qu'on voit en Europe, sauf résultat intéressant des dernières élections, El Movimiento Ciudadano en Jalisco. Vamos a ver lo que va a pasar en Jalisco, que se convirtió en un laboratorio del cambio, un changement, un laboratorio de changement politique au Mexique. Ça va être intéressant. Va? Moi, j'avais envie de lui poser une question tout à l'heure, à Omar. Est-ce qu'il y a des partis politiques? Où est la gauche mexicaine? N'est-ce pas? La gauche mexicaine, je m'excuse de vous le dire, parce que vous êtes probablement tous de gauche, je vous le dis par provocation, mais par conviction aussi, est sûrement la gauche la plus bête du continent. Chaque fois qu'elle peut prendre le pouvoir, elle se divise. Chaque leader de la gauche veut être calife à la place du calife. Total, le Mexique est le seul pays du continent. Alors, vous me direz, c'est la faute aux Américains. Ils sont bien contents, sûrement, les Américains. Mais les Mexicains sont suffisamment grands pour s'autodétruire, n'est-ce pas? Le Mexique est le seul pays du continent qui n'a pas eu de gouvernement de gauche au niveau fédéral. Comment ça se fait? C'est quand même incroyable. On a volé deux élections présidentielles à la gauche au Mexique. Cuauhtémoc Cárdenas et López Obrador. Vous avez vu des manifestations? Oui, il y a eu des manifestations qui ont été intégrées par le système et on a oublié. La capacité d'oubli est trop importante dans ce pays. Et finalement, ça permet au système de se reproduire. Donc, le peuple mexicain à l'heure actuelle, il est dans un dilemme. On veut pouvoir sortir de chez soi et rentrer chez soi vivant. Donc, on va privilégier la sécurité publique. Donc, on est d'accord pour que s'installent au gouvernement des partis qui vont pratiquer l'arbitraire contre les droits de l'homme. Finalement, on ne va rien dire, mais lorsque des militaires assassinent des petits dealers, eh ben, il faut dire les choses, à part une élite étudiante ou universitaire, on s'en fout. On s'en fout. Ils n'avaient pas d'idée. Hein? Donc, on est prêt à faire le sacrifice des droits de l'homme pour la sécurité publique. C'est à Marseille. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu vois. Et c'est dans le Mexique. Non, mais il ne faut pas non plus. Moi, c'est ce que je dis. Hein, il y a des systèmes qui fonctionnent de la même manière ailleurs. Et je n'importe, il y a des endroits dans la périphérie de Paris où on ne va pas. Maintenant, il ne faut pas dire non plus, il ne faut plus aller au Mexique, on ne peut plus aller au Mexique. Moi, j'ai été au Mexique cet été, je suis là. Enfin, dire, hein, vous comme moi, on connaît des endroits où il ne faut pas aller au Mexique et on n'y va pas. Et puis voilà. Mais ce n'est pas non plus un narco-État, le Mexique. Tout le monde dit, les Américains ont lancé ça, Mexique égale narco-État. C'est un narco-État. La drogue, que je sache, n'est pas la principale ressource du pays. Les narcotrafiquants, le Chapo Guzman, il n'est pas président de la République. N'est-ce pas? Donc, on n'est pas là. Il faut rétablir de justes proportions et savoir raison garder, comme dirait notre collègue. Donc, voilà. Je vais donner la parole à... Excusez-moi, mais moi, je sais que c'est l'analyse, mais je pense qu'il y a un changement. Et dire un peu qu'on laisse un vie et qu'on espère que l'État, il espère un peu les manifestations, je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu beaucoup de répression dans les manifestations qu'il y a eu
l'année dernière. Il y a eu des morts, il y a encore l'assassinat du photographe à la Navarre, qui était terrible. Et il avait fui de son état, il avait réalisé des vidéos en croyant qu'il allait être sauvé par ça, et même pas ça, c'était ça pas marché. Là, il y a cette semaine, il y a un radio indépendant qui s'est fait détruire à Mexico. Donc, non, on laisse plus la répression, elle va de plus en plus haut. Et il y a beaucoup de défenseurs de l'homme, des droits de l'homme au Mexique, ah, oui. Qui ont été assassinés et qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est ce qui se passe au Mexique. Merci pour cette réponse. Je pense que c'est important. Je vais, dans une seconde, donner la parole à la. Dernier mot, mais avant la suite plus informelle. Gilles Bataillon, avant ça, je voudrais juste dire trois petites choses. Une tout à fait dans le sens de ce que vient de dire madame, ça me paraît important. On voit le côté, on voit que d'un côté, c'est vrai qu'il y a moins de manifestations, mais aussi, il faut aussi voir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on sous-estime, je crois, souvent le pouvoir de la répression. Mais pour moi, la répression, c'est une partie. Il y a aussi derrière ça, en anglais, il y a un bon livre qui s'appelle Manufacturing Consent, comment produire le consensus. Et donc, cette idée du Mexique qui est là, elle est produite aussi dans les médias. Il y a une ingénierie sociale qui est vraiment très développée. Et on a pensé, par exemple, qu'Internet est un espace où on diffusait l'information plus libre. On voit maintenant, et il y a quelques cas qui sont sortis récemment, comment le gouvernement, quelques acteurs, souvent locaux, un député récemment de l'État de Mexico, a son équipe qui va sur Facebook pour essayer de critiquer ceux qui critiquent le gouvernement, pour essayer de renforcer certains aspects. Il y a une ingénierie sociale aussi, il y a la répression et en même temps la production de ce qu'on dit au Mexique aujourd'hui et qui entraîne une partie de la population. Et ça se produit aussi en donnant une sécurité minimale dans une partie du pays, dans la capitale quand même qui est moins affectée. Ça se produit aussi en donnant à une partie de la population un pouvoir d'achat. Si vous allez à Noël au Mexique, vous verrez que tous les grands magasins sont remplis malgré tout. Donc, il y a une production, une ingénierie assez intelligente qui fait tout ça et il faut aussi voir ce côté-là en plus de la répression. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut souligner l'importance de cette démocratie contre l'État. Depuis un an, il y a beaucoup de mouvements. C'est pas nouveau. Je pense que c'est vrai que c'est presque la même chose et j'ai beaucoup aimé les deux autres interventions parce qu'on voit bien que c'est un problème qui dépasse, qui ne sait pas que Ayotzinapa. Mais donc c'est vrai que depuis bien longtemps, déjà, la voie qui a un peu choisi au Mexique, c'est de dire finalement si on ne peut pas lutter contre ce gouvernement qui se reproduit, qui est tellement qui réprime aussi, la solution c'est de construire une démocratie, construire une petite société alternative, un peu parfois utopique, mais donc, qui marche concrètement hein, quand même. Et là, au Chiapas, il ne faut pas oublier, on en parle moins, mais le défi c'est de durer au niveau local. On voit quand même ici depuis 20 ans. Des choses alternatives qui se construisent, où le problème de la violence ne se voit pas du tout dans ces proportions. Et les autodéfenses, c'est des choses très importantes au niveau local. Et je pense que là, il y a vraiment des choses importantes qui se font au Mexique. En même temps, un défi aussi. Est-ce qu'on peut changer le Mexique en multipliant les îlots alternatifs même avec ces gens de bonne volonté qui font tellement de choses extraordinaires, dans les petits îlots locaux, finalement, on n'échappe pas au fait qu'il y a au-delà de ça, système qui est très différent, où le narcotrafic est mêlé à des intérêts économiques aussi, et à une violence endémique. Et donc, bien sûr, on peut protéger quelques endroits, mais on voit par exemple, et là, on voit par exemple un James Scott qui montre très bien que bien au-delà du Mexique, l'État n'aime jamais des petites zones autonomes. On le voit clairement au Mexique avec les moyens de répression au Mexique. Et je pense que là, c'est vraiment très important au Mexique. Le débat intellectuel, le débat dans les médias, la lutte pour l'information, ce sont des enjeux majeurs, y compris pour repenser, pour se mettre dans le débat intellectuel sur qu'est-ce que la sécurité. Ce n'est pas forcément ce qui est vendu toujours sur télévision. Et là, je pense que beaucoup d'intellectuels, je pense à Américain Aldor, mais à bien d'autres, qui ont pensé la sécurité humaine dans d'autres pays. Qu'est-ce que la démocratie? Ce n'est pas forcément non plus ce qui est vendu comme, voter une fois de temps en temps, c'est bien plus que ça. Et ce sont des débats essentiels, avec en même temps aussi la lutte pour l'information, qui est vraiment une lutte majeure au Mexique. Et il y a quand même beaucoup de personnes admirables. Mais pour moi, le défi reste aussi comment combiner tout ça. Et on ne peut pas laisser les institutions continuer. Et en même temps, il faut aussi analyser ça. Et je crois que là, il y a aussi beaucoup de recherches à faire sur comment le consensus est produit au Mexique. Et beaucoup de recherches très bonnes qui sont faites, notamment en France, sur comment s'organisent ces alternatives locales. Et donc, il y a des recherches qui existent aussi là-dessus. Et il y en a d'autres, j'espère, à venir. Là-dessus, je donne le dernier mot, ou les derniers mots. Gilles Bataillon. Je voulais juste m'inscrire un petit peu en,
décalage par rapport à ce que disait Jean Rivelois. Je ne crois pas que plus ça change et moins ça change, et que le système mexicain, on puisse dire comme ça, il a une capacité de récupération à tout azimut. Alors, soit on pense ça, et on dit cyniquement, je suis chercheur en sciences sociales, il faut que je fasse mon petit numéro en expliquant ce qui se passe, mais de toute façon, ça ne change rien. Ce n'est pas mon attitude. J'ai l'idée que si on regarde l'histoire du Mexique sur les 50 dernières années, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé. Il y avait un prix qui était considéré comme tout puissant et qui a apporté le développement stabilisateur au pays, et personne ou très peu de gens remettaient ça en question, c'était des noyaux microscopiques. Aujourd'hui, il y a eu l'idée qui a affleuré en 85 après le tremblement de terre que l'État était incapable au sens premier du terme et qu'il ne remplissait pas son rôle. Et là, il y a l'idée dans toute une partie de la population mexicaine, aussi bien des gens à pied, comme on dit en espagnol, que des gens des élites, qu'il y a une situation extrêmement grave, qu'on ne sait pas très bien comment on peut la changer, mais que là, il y a une cote d'alerte qui est dépassée. Et disons, un certain nombre de mobilisations des journalistes, des activistes qui parfois ne peuvent pas se sentir, parce que je pense que si je parle aux gens du collectif Ayotzinapa de quelqu'un comme Enrique Krause, vous allez avoir un mouvement de recul, de ricanement ou de dégoût. Mais je dis, ce qui est nouveau, c'est que des gens comme ça, qui à la fois peuvent dire oui, les réformes néolibérales accentuées, voté par Peña Nieto avec l'appui des deux autres grands partis, il est pensé que c'était très bien, moi je ne pense pas ça, je pense plutôt le contraire, mais en même temps il a pu dire, après l'histoire d'Ayotzinapa et dans la façon dont le président de la République réagit aux choses, il devrait, et il a écrit ça dans le New York Times, qui était la façon la plus forte de le dire au Mexique, le président de la République devrait s'excuser auprès des familles des victimes. Alors, on peut considérer ça comme ridicule, ça veut dire qu'il y a une espèce de déplacement, et il y a l'idée qu'il y a des gens qui doivent rendre des comptes. Et ça, c'est nouveau. Et de la même façon, le représentant des familles qu'on a vu tout à l'heure disait, cette rencontre avec le président, elle n'a rien donné, oui et non. Le fait que le président soit obligé de dire, contrairement à ce qu'avait dit la Pereire, le cas est fermé et on n'en parle plus, dixit la Pereire, et il dit là, non, on est obligé de réouvrir le cas. Donc il va y avoir une bataille avec les institutions, qui est de dire, on veut que des enquêteurs indépendants, que des policiers qui ne soient pas forcément mexicains, viennent et enquêtent, parce qu'on n'a pas confiance dans la police de notre pays pour mener une enquête. Et ça, c'est nouveau, parce que dans un pays comme le Mexique, l'idée qu'on puisse dire, il y a 20 ans, qu'on faisait appel à des experts autres que mexicains, ça faisait hurler tout le monde. Le prix, comme les opposants ont pris, parce qu'il y avait un nationalisme sourcilleux et qui disait les droits de l'homme ne valent pas qu'on marche sur la nationalité mexicaine. Et là, il y a quand même des déplacements qui me semblent importants. Alors, en même temps, effectivement, il n'y a pas les grandes manifestations qu'il y a eu. Qu'est-ce qui va se passer là, ces jours-ci, autour des manifestations de commémoration? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il y a des choses qui travaillent souterrainement, qui sont des tensions nouvelles au Mexique. On ne peut absolument pas dire ça ne va pas marcher, ou au contraire, c'est le grand soir qui se prépare et différentes communautés autogérées vont se fédérer. Je ne crois pas à cette possibilité-là comme ça, mais il faut être attentif à des signes du nouveau et aussi remarquer que, disons, le rôle de tout un chacun pèse un petit peu sur les événements. Parce que si on dit, de toute façon, le système récupère, alors effectivement, on reste chez soi à boire de la bière. Et si on aime le football, ce qui n'est pas mon cas, on regarde ce genre de conneries à la télévision. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, donc nous avons chacun notre rôle à jouer comme du bataillon. Merci pour cette belle conclusion. En terminant, en remerciant vraiment l'Institut des Hautes Études d'Amérique latine qui nous accueille aujourd'hui, en particulier Pierre Roux qui a assuré la technique et Rebecca Ornelas. Je commence à remercier le comité. ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco!
merci. On prend rendez-vous demain. Et avant ça, j'aimerais juste vous demander, c'est important quand on fait quelques volontaires pour ranger la salle, il faut absolument que tout le monde soit sorti de l'Institut dans 10 minutes ou plus tard. C'est très important ici. Merci. Petite annonce. On a fait une installation sur un mur au 10e et vous allez bientôt le voir. Et c'est, en fait, c'est des photos qu'on a prises des gens qui voulaient participer et montrer la présentation et montrer ce qu'ils ressentaient par rapport à Yotinapa. Et on l'a installé hier, c'est au 10 rue Jacques-Louis-Foutier au 10e. Et ce dimanche, on va aller à 13h. Pour se prendre une photo, c'est que je vais voir aux médias et comme ça, je sais si vous voulez venir. Ça va être trop mal. Ça va être trop mal. C'est la 10e. Te voy a mandar la información de la izquierda.